un peu de jus, hein, Tito. Non, mais c'est, une c'est du foutage des gueules, hein. Bah, parce que j'ai fait ça pour pas qu'on se fasse deux ans, quoi. Violin. Ouais, allô ma petite Rina, ça va? Si, ça va et tout. Ouais, ça va super, ça va super. Eh, dis-moi, t'as pas fait de conneries ce soir quand même? Non, j'étais sage comme une image. Moi, je t'ai vu la dernière fois, moi je suis sûr que tu fais des conneries. Non, rien du tout. Là, c'est ça. Ouais, moi j'ai l'impression que t'as fait des conneries. Non. Si tu faisais des conneries, tu me le dirais quand même. Si j'ai fait des conneries, je te le dirais. On a quand même un lien proche quand même, bah, après tout ce qu'on a fait là, quand même. Oui, c'est vrai, on est quand même un peu proche. Mais promis, ouais, rien voilà. Du tout. Sache moi, ça va maintenant, le sud, j'aime bien. Ok. Vraiment, moi, promis, j'ai fait attention, je fais les jours. Et tu fais attention aux motos aussi, et le casque, hein, faut pas l'oublier. Ah oui, non, oui, les casques, et surtout, beaucoup les casques, et tout le temps. Hein. Bah tellement tout le temps que la dernière fois, tu l'avais pas, quoi. Voilà. Mais parce qu'en fait, il est caché sous ma belle chevelure. Ah, ok, en fait, t'as une perruque, d'accord. Oui, j'ai une perruque. Une perruque? Si, une perruque. Si, une perruque. Si, claro, tu pourras me la tirer, claro, si tu veux. Arrête de dire ça, oui, je peux noter. Tu vas avoir mal. J'ai perdu mal, Rina. Vous soyez autour, possiblement là. Oui, je sais que tu dis oui. Au premier étage. Regarde, tu auras fait une bêtise, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que moi, les vilaines filles, j'aime pas. Oui, mais je vais être très vilaine alors. Donc les 8. Quoi? 8. Alade! Bonne chance. Ciao. En force. Et bonsoir, la Maya. Qui est derrière? Ah, bisous, Julia, merci beaucoup. Vous êtes massif, on vous le dit pas assez, mais waouh, belle prestance, hein. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois, ils ont pas en voiture et 4 mecs dedans, ils sont ouais, c'est vrai, c'est vrai, de tous les bikers, je venais bien en moto, genre. C'est bien, on a rien besoin de dire, ça fait plaisir. C'est des attendez, bikers, attendez, si je me trompe pas, bon, c'est évident, lui c'est le Prez. Lui, ça doit être le second, parce qu'il a une seconde c'est grosse moto. Lui, non. Lui doit peser dans le game, lui là, celui avec la verte. Non, ça c'est le VP, ça ici devant moi avec le chapeau. Ouais. Voilà. Là c'est le padrino, là c'est aussi. Ah, c'est l'ancien. Ça c'est Tito lui. Oui c'est Tito. C'est l'argent la plata. Ça c'est l'ancien. Arrête de crier. Là si je ne bêtise, c'est la secrétaire, c'est ça. C'est clair, là. Merci. Non mais attends, c'est le padrino. Ensuite c'est les membres et les prospects. Ouais, c'est ça. Pour tout t'avais une autorisation pour faire un blocus comme ça ou... Non, c'est vous qui vous êtes arrêté avec nous là en fait. Et okay, rouge, pour rediscuter. Bah écoutez. Le feu rouge, il faut s'arrêter avant de s'engager. Ouais, je sais. C'est allez, bon courage. Allez, des bisous les gars. Bah t'as tout sur vous. Bobby derrière. Pour derrière, toi derrière, Bobby derrière. Ouais. Je veux qu'on puisse partir, tu vois, si tu les laisses là, alors c'est quoi, attends, 4 qui s'arrêtent avec moi là. Les autres, allez dans le parc, tu me dirais. Ok. Non. Je suis chaud de mettre les motos là. Hein. Ouais, ils on sont combien là, s'arrêter. Elle est c'est bon, c'est bon, il suit, vous inquiétez pas, il donne les consignes. Il donne les consignes. Oui, non, mais moi je préfère qu'on mette les motos là. Juste on met les motos là, on va appuyer. Ouais. C'est pas grave. Et vite les gars, vite. Non mais c'est pas grave, hein. Si quelqu'un monte sur la moto, moi je démarre. Hein. Je veux personne qui monte en haut, on reste tous là. Faut pas qu'on se mette peut-être plus vers le coin. Non, cachez-vous. Cachez-vous, tout le monde accroupi, tout le monde accroupi.
Ignacio, tu vas faire quoi avec ta machette? Tiens, un qui s'approche, je lui lance dans la tête, t'inquiète. Tombe, tombe, tombe. Parlez doucement. C'est bon. Ah, pourquoi ils les ont mis à l'extérieur, leurs motos? Parce que c'était, sinon on est tous bloqués avec les motos dedans, quoi. On s'en fout. Ah, mais ils sont cramés, les motos cachées, les autres. Et c'est pour ça le but de les mettre dans le parking, c'est pour les cacher, c'est pas pour la beauté. On a perdu quelqu'un. Viens avec nous, Louis. Mais on est dans le parking. Le but de mettre les motos dans le parking, c'est pour les cacher. Là, l'idée, c'est qu'ils vont voir toutes les motos cachées, ils vont voir pas de Mayans, ils vont comprendre qu'il y a un guet-apens, les gars. Je sais pas c'est qui est idiot là, mais il y a un problème. Moi, je t'explique. En gros, quand on est arrivé, on a dit les motos, ça sert à rien qu'on les mette tous ici. Parce que sinon, on va être bloqué dedans. C'est ce qu'on a dit. Et ben, il y en a trois autres qui rajoutent des motos là devant. Et je sais pas, mais cachez-les, les gars. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'effort là. Ouais, j'ai rajouté ceci. C'est pas la mienne. Ouais. Ok. Ah, donc du coup faut pas qu'on s'accolue. Sortez vos pédales. Vous êtes prêts, j'envoie le message? Moi j'aime bien. J'envoie la photo, vous êtes prêts? Y'a tout le monde? On va peut-être pas rester tous ici hein. Y'a tout le monde ou pas là? Y'en a qui vient avec moi là? Je suis. Décale-toi un peu Reina. Ah voilà, prenez de la place. Rodri, il est là ou pas? Fuir si jamais. Ça va, je peux voir. Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein. Le problème, en fait, il y a un autre fois-ci. Les appels sont tous en train. Ouais, mais le problème, c'est que. Tu veux qu'on aille derrière? Je suis pas au courant de ce qui va se passer, mais. C'est le moment. Tcha! Le moment, tcha! Non, en fait, oui, il faudrait faire plusieurs équipes. Au pire, là, il y en a 6 qui restent ici. Vas-y, moi, je vais aller. Bah, s'il y en a 3 qui veulent venir avec moi, on va aller là-bas. Si, va bien, viens. Vas-y. Il y en a 3, si, ça, si. Soit on va là, soit on va plus vers la droite. Là. Va à droite, droite. Ah, là-bas, là, c'est bien. On vient de taper un peeling à la gauche. Comment ça? Ouais, j'ai fait qu'ils sont passés, qu'ils nous ont vus. Ah, c'est pas grave, ils ont les oreilles oubliées. Je lui envoie la photo. Fais gaffe Oscar, peut-être tu peux te faire voir de derrière si ça passe derrière. Viens avec nous ici. Ouais, attends. Ça va arriver hein. J'espère que ça nous choque depuis les rails au-dessus, non? Je pense pas. Si c'est ça, tu cours à gauche. Ok. Attention, suis-nous. C'est pas grave, hein. Si vous perdez une arme ou quoi, la sorcière, c'est pas grave, ok? Ok. Chill. Troubadour. Je pense qu'il faut vous faire un guet à mon avis depuis. Je pense aussi. Ça va? Ouais, c'est sûr. Désolé, on était sur l'instant chat parce qu'elle est trop mignonne. Regarde cette petite papa tire son petit minois, elle est trop belle. Ouais, comme je l'ai dit, après, si c'est la merde, on peut reculer, on peut tourner. Hein. J'aurais dû mettre ma moto ici, fils de pute. elle est devant ma moto aussi. C'est elle devant, fils de pute. J'ai tout voir, c'est un prix. Attends, y'a Louis qui m'a. Ouais.
J'aurais pu passer sur les rails. Elle est belle, Mathia. Et je suis sûr qu'ils vont arriver en colonne d'assaut ou un truc comme ça. Je sais pas. Et j'ai trop envie de pisser, ça y est. J'ai envie de chier à outrance. Viens me au clip. Je te laisse pas. Je suis un homme. C'est juste, tu connais, je suis excité. C'est une adrénaline. Moi aussi. C'est une adrénaline, je voulais dire Google. Je te rappelle que j'ai des problèmes d'addiction, d'identité. Putain. C'est une adrénaline. Non mais pour sa défense c'est un mot compliqué. Ah, j'entends une sirène. Ouais. Hélico. Bon, je me cache encore. Du PDP. Faites gaffe, ça arrive pas du chemin là en fait. Je sais pas, c'est possible, oui. Arena. Si, je regarde. Mets-toi dans le contrebas. Ça arrive du chemin, comme ça, ils nous voient pas. Viens nous cacher un peu. Les gens sont si confortables, Carlos. Oh, y'a la steak, y'a la steak, ça la steak. Attends, qu'est-ce qu'on. Un message, on va l'arranger. Oh non, trop tard. Oh, on est grillé. Fils de pute. Ah, le fils de pute. Ils ont pris une moto. Fallait l'arracher, putain. Ouais, fallait l'arracher quand il était là. Pourquoi ils ont pas tiré les autres? Pourquoi ils ont pas tiré? Non, faut bouger, par contre, ils ont tiré. Bah, hein. Ouais, faut bouger. Faut vite bouger. Se pasó con la coche. What? Faites gaffe à gauche, faites gaffe à gauche, il y a la STX à gauche. Allez, marche ma moto. Parti direction poste. Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? La voiture, elle recule. Gardez vos balles. En vrai, il faudrait... On peut pas partir, à gauche, là. À droite. Voiture, là. Voiture devant le bar qui passe. En plein deux. Descendu ou pas de... Non, ils sont pas descendus, mais je crois qu'il est KO, le mec. Je crois qu'il est KO. Ah ouais, vous l'avez. C'est qui a tiré sur l'exemplaire? Oui, lui. Là en face devant le camion. Autoroute, restez caché. Allez. Sur l'autoroute, restez caché. Autoroute, cache-toi. Tirez pas sur l'autoroute, ça va rien. Sur le toit de l'auto-école, De l'autoroute. Il passe à droite derrière l'arbre. Ils sont à niveau, là où on se met d'habitude. À gauche, les gars, à gauche. Ouais, au sol, sur l'autoroute. Ça tire d'où là? Ouais. En bas, à l'entrée, en bas. Il est tombé. Ils sont dans le parking, hein. Automatique en bas. Il y a une auto en bas, oui. En dessous, ça arrive en dessous. Il est rentré, juste en dessous. C'est rentré automatique, en fait, t'es gaffe. Côté sud. Tous ensemble, dans ce cas-là, venez. Derrière. À droite, hein. C'était là. Côté sud, ouais, l'auto. Oui. Aïe, sa mère.
T'arrives de côté, t'arrives de côté. Ah, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Avance, avance. Ah, il s'arme. Putain de merde. Regardez en face de vous aussi, hein. Il n'y a pas que derrière, hein. Putain, Ernesto, il est au sol. De, là, là. Derrière, ouest, ouest, ouest. Couché. Couché. Ah putain. Impossible de voir où ils sont. Salut Arnaud, ça va? Putain, ils sont partout, ils nous ont cernés. Venez avec moi, venez. Chaud. Des personnes pour monter avec moi dans les escaliers? Avec moi. Farrell, avance avec moi. Monsieur, rendez-vous! De côté? Est? Ouais, ils ont des automatiques, c'est un peu dommage. Et ouais. C'est le presse en face aussi. Oh non. Enfin, il nous encercle de ouf en fait. On est sur Call of ou j'étais à ça, hein. Le 30 à SDS, est-ce qu'il y a des personnes sur le toit ou pas? Mais j'ai pas les agents, s'il vous plaît. Oh là là. 10-4. Non, c'est bien joué de leur part, c'est bien joué de leur part, moi je kiffe. C'est très compliqué, on s'est enfermé dans un parking. Très, très dur, là. Pour nous, c'est très, très dur. Tu peux pas... Regarde les ouvertures de partout, c'est très compliqué. Les mecs ils se sont placés, ils nous ont encerclés, c'était fini. Faut aller aider Whitney, faut aller aider Whitney. Ah Winter. On va regrouper, on va regrouper, on va. Allez, on regroupe tous les corps au niveau de l'entrée du parking. Tout le monde et regroupez les. Oui, chaque collègue récupère quelqu'un. On est au courant, vous inquiétez pas. 56. Tu en as attendu, t'oublies, on va direct au l'os. On a fait une distinction des collègues et. Le ramasse. Ça va bien, 26 ou pas? Ah, 26, ça a été touché. Il était là, Winter, merde. La peau, peut-être. Elle a pris des balles? Ouais. Ma chouchou, elle a pris des balles. Je les avais laissés derrière. À mon avis, ouais, elle est à gauche. Hein. Alors, attends, on a Ignacio, Alerio, Ernesto. Padrino, Loré, Lino. Ok, 10-4. Je crois que c'est Louis, ça. J'arrive pas à voir. Nickel. S'il y a besoin, je peux aider pour les premiers secours. Il est où, Chanchette? Et le médecin de nouveau pour le coup là-dessus. 30 avec Chanchette, on va opérer un coup. Ok, je vais aller le voir.
dans ce cube 2. Oui. Il y a des points de compression, attendez que les médecins vous donnent le go si vous voulez faire. Oh là là. Attends. Judy, tu veux qu'on t'aide ou oui. Ouais, aidez sur les secours pour ceux qui ont eu l'information. Bah non, mais. Et si vous avez des. Si vous avez des fibrillateurs, vous pouvez les aider à les réanimer, ok? Ok. Je veux des agents, s'il vous plaît, au niveau des. Au niveau des corps. Pour les premiers soins là. Ok. Non mais dans tous les cas là, la Doha et les Mayans. Je vais regarder s'il a un pouls le mien. On a l'autorisation des médecins pour les stabiliser du coup. Lieutenant. Lieutenant 77. Ouais. On peut retirer leur masque. Pour les hauteurs, c'est pas ouf. Pour les aider à respirer. Oui, quand ils sont relevés, bien sûr. Ok. Mais que quand ils sont relevés, pas maintenant les gars. Ok, nickel. Y'a pas faire mal! Monsieur, vous m'entendez? Je regarde ici. Allez, reste avec vous, ok? Attendez, monsieur, ça vous. Va bien vous savez, C7, vous savez si le dossier est ouvert ou pas? Oui, y'a un dossier qui a été ouvert. T'as dit quoi? Ok, non, viva c'est la pas liberta. Ça. C'est interdit surtout. Ah, et monsieur. Bah oui, mais bon, ça râle. Il verra ses compagnons, non? Ça râle, hein. Non, allô mais oui, mais bon. Ok. Non, je suis seul, moi. Ok, le mec il a un plomb. Parce que là, je dois stabiliser ça une personne. Aller, il y a, je crois, 5-6 personnes. Après, sud de la case, c'est good aussi. Tu vas essayer d'avancer. Vas-y, je te backup des rois. J'ai celui-là qui est complètement inconscient qui est mon pote du tout. Mais Whitney, je t'ai mis bien des balles, bâtard. C'est quoi la première chose que je vois quand je me lève? C'est 17, la grosse salope. 0-3 de mes couilles, non, moi c'est Kate. Fils de pute. Non, il parle de moi. Quelqu'un a des tests de foudre? J'en ai, ouais, pas du tout. Lieutenant, attends, André, je suis sûr qu'il y a un pour les médecins. Regardez s'il a un pouls. Rien, pas de rhino. S'il a un pouls. Putain, sur moi. Un peu de tenue, porte-le correctement, les pauvres. Il y a un médecin qui va venir s'occuper. Je te fais un doigt, tu le vois pas, mais je te fais un doigt, fait. T'encules. Est-ce que vous êtes armé? Ah, bordel. 46. J'étais bien pété. Oui. Oh non, je compresse ses plaies. Vous pouvez le papier pour retirer son nom. Ok, tu peux le surveiller, je vais ressens, si je sors du jour de prison, je te baise. Arrête, je sais pas qui tu es. Ok. M'entendez, monsieur? Le SMD? Vous m'entendez? Comment? Ok, restez avec moi. Dis pas que vous me restez. Oh, il est un peu. J'ai acheté le casque blanc aujourd'hui. Bande de connards de merde. On se relève tout doucement. Il monte sur les rouleaux là. Oui, je vous entends. Je vous parle depuis tout à l'heure parce que tout le monde parle en même temps. Vous entendez rien. J'ai pris des balles de 9 mm, ça va aller. Ah oui, mais on m'aurait pas. Ouais, moi, je vais. Bon, bah, pépille. Hein. Il a abandonné le mec. Ouais. L'argent. Pas de test de poudre 0-2. Je pense qu'ils ont pas tous la possibilité de regarder. Test de poudre négatif, pas de mais. Il y a le lieutenant qui a dit qu'il n'y a pas besoin de test de poudre, ils nous ont tiré dessus. Ok, si 10 ah. Oh la vache, oh la la. Pourquoi il jouait dans mes oreilles, lui en boucle là. Fils de pute. Je vous ramène juste ici, ok, avec vos amis. Là, les Mayans, c'est la DOA, c'est la guerre, t'entends? Bon bien, pas tes petites mijoules avec toi, t'es pas la guerre physique. Tu m'aides ou pas, s'il te plaît? Non, pas. Ça tient qu'à moi, il sera pas là. Je prends carte d'identité, arme qu'il a sur lui, je m'occupe de la guerre. J'ai aucune réponse là, ici. Et t'assis pas sur le cône, hein. On sait que vous avez l'habitude de vous asseoir sur des cônes. Je mets tout dans le dossier d'opé, ok, Aaron? D'accord, ok. Dossier d'opé ouvert dans le sud. Ah, vas-y, je te laisse t'asseoir. Ah, tiens, qui voilà? Le choix pour juste te retirer. Petite réponse. Petit chargeur. Rissardo, OCTVA. On va faire ça. Monsieur? Ouais, Rissardo. Putain! On présente une petite carte d'identité, s'il vous plaît. Allez, vous allez vous en sortir quand même? Non. S'occuper de toi? J'ai tâché à ma mission de pas me faire repérer par 10. C'est qui ce mec? Vous êtes sûr que c'est un Mayan? S'il a une tête à faire du bobsleigh. Non, Reyna! J'ai pris mon petit suivi au moto de la gueule. Ah oui, je comprends mieux. Vous m'entendez, madame? Ah non, j'ai ta tête. Ok, vous en faites pas d'accord. Waouh! Quelqu'un va s'occuper de vous, ok? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, monsieur, tu t'es occupé de lui ou pas, Félix? Monsieur! Ok. Bien sûr.
Évidemment que je vais tirer dessus, bande de fils de pute. Oui, ça grave, merde. Aïe, aïe, je te prends des esprits. Fais-moi une palpation. Allez, Lyon, tu t'es fait. On part à la main, on part à la M4. Ouais, la M4 de fils de pute, sors de toi, ma baise. Vous avez pris des balles de 9 mm, d'accord? Jamais les médecins vous demandent. Ici, c'est bon. C'est bon, on va mettre sur le mur, les médecins vont arriver, bon, on va récupérer. Ok, s'ils sont démasqués, c'est qu'on les a fait. Partie principe, attention. Ok, non, mais c'est parce que t'as pas mis sur le. J'ai regardé, mais t'avais pas mis sur le truc, c'est pour ça. Ok, je voulais juste vous donner votre main. Okay. Allez, madame, venez. Ok, bah c'est bon alors. Ok, bougez pas. Il n'est pas trouvé grand chose. Pas trouvé grand chose. Vous asseyez contre ce mur, madame. C'est clair. Tranquille, oui, tu vas faire quoi? Oui, oui, tu vas faire quoi? Faut que je mette en place mon nouveau système de contrôle, sergent-chef. Ok. Mon nouveau système. Est-ce que vous vous sentez capable de me présenter votre carte d'identité ou pas, madame? Attendez. On arrive aux gardes pour vous enlever vos foulards là. Voilà. Ça m'a l'air compliqué. Je t'avais. Oui. Monsieur, là, avec votre tout est bon de mon côté. Est-ce que vous avez une arme ou pas sur vos manettes? Claro, si, si. Si vous permettez, je la récupère. Ouais, ça me. Ça m'a l'air compliqué. Ok, parfait. Votre couteau, je le prends, on vous le rendra quand vous sortirez de l'hôpital, ok? Hop là. Faites attention. C'est occupé de vous, monsieur? Putain de merde. Vous êtes à la limite, hein. Je suis avec le Bob. Ok. Il y a 10 places dans le véhicule. Jorge, si, Jorge. Tu occupes de vous, madame? Si, je suis bien, on s'est occupé de moi. Ok, moi, d'accord. On va en prendre déjà 4 avec moi. Mais je t'ai dit qu'on s'est occupé de moi, pourquoi? Ok, je vais vérifier. Les blessés les plus graves. Oh là là, t'es un forceur, c'est ce qu'on appelle un forceur, toi. Non. Bon, toi, t'as du charisme alors que t'as rien, t'es nul. Ok, vous montez avec moi. Tu vas jamais monter sur rien. Je vais vous aider. Monteur. Si. Sois tranquille. Non. Tranquille. Aidez-moi à les, faire, à les mettre dans le blindé, s'il vous plaît. On va les emmener à l'hôpital. C'est Lino, c'est Lino. Allez, venez. Je vous aide. Allez. C'est pas mais Lino, c'est Marcelino. Ouais. Marcelino. Mais il me connaît, il sait mon prénom. Mettez-le dans le véhicule. Ricardo. Mettez-le à l'avant, lui. Ricardo, c'est à l'avant, ouais. On est obligé d'intervenir, Austin. T'as dit quoi en champion? Ils ont dit le nord c'est des, je suis des fragiles. Donc du coup on est venu leur casser la gueule dans le sud. C'est quoi, tu crois que je leur tire dessus? Ouais. Oh, y'a pas d'ego, man. Y'a pas d'ego. J'arrive pas à me lever. Menteur, t'es plein d'ego. Tu crois qu'on sait pas, t'es plein d'ego. Ouais, je vais tuer ton bébé. Je vais tuer ton bébé. Allez, venez. Commenter toi. Toi, nique ta mère, toi. Allez, venez. Allez dans l'hôpital. Allez les blessés. Okay. Porte-moi. Oui, attendez. Regardez, sauf faire attention, il y a Sylvie, il me fait des bisous dans le cou là, c'est bizarre. Puis vous sur mon épaule. Voilà. Bon, encore de la place ou pas dans le blender? Il y a encore de la place, il y a encore de la place. Mais il faut les laisser monter à partir de maintenant. Vas-y, monte. Allez-y, vous êtes grande. Ah non, je vais te niquer. Ça va aller, hermano. C'est une dinguerie. On peut mettre tout un chapter là-dedans. Lâche-moi. Allez, vas-y. Là, tu veux me porter là? Ah bah ben non, bah ben on peut pas mettre tout un chapter. Ok. Bon lui faites le monter dans une voiture. Je peux avoir une escorte? Hein? Une escorte policière. Je vais prendre un hélico. Tu dis comme ça là maintenant, Armando, fais ça. Est-ce que je peux avoir une escorte policière? C'est la guerre, les Mayans! C'est la guerre! Ta gueule! Va te faire reculer. De quelle guerre il parle? Il a appelé toute la police, ton foiré. Bonne de con, merde. J'ai avec moi 9 Mayans. Il m'a dit j'aurais préféré qu'ils viennent pas. Qui a dit ça? Le pouce là. C'est la pute. On vous baise, mon salope. Après, chope-le par le callback, bah... chope-le par le cou, étrangle-le là, hop, bah... comme ça on s'enfuit là. Je vais le gifler, il va me dire en quoi, mental. Gros cochon d'Inde. Je vais aller dodo, bisous badak. Parce que c'est mon camion, poteau. Et y'a du monde derrière, hein. On est beaucoup là. Ah, claro. Oui, bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, ça. Ça va, ça va pas, j'ai mal. On a connu mieux, je pense. On a mal, on a tous mal, c'est bon. Oh, tu connais pas la route de l'hôpital, connasse? Mais je vous laisse avancer, je vous laisse. Quoi, connasse, va. Connard, va. Et bite. Chubeco. Ils viennent du Nord Pas-de-Calais, les Mayans, maintenant? On vient de partout, fils de pute. Ouais. Ah,
Aïe, ça me relâche. J'ai un peu mal quand même. Allez, t'en as encore un peu. Ah, fils de pute. Ah là là. Mais elle, les Allemands, non, pourquoi vous n'avez pas tiré sur les disques? On est en train de ramener 9 Mayennes sur l'hôpital. On va t'expliquer après. On va pas débrief ici, hein. On débrief, bah les couilles, c'est pas bien ce qui s'est passé. Bah en gros, on disait vas-y, go tirer, go tirer. Et ouais, je sais pas, tout le monde a. Y'a personne qui a eu les couilles, bande de salope. Bah après, moi j'ai tiré, j'ai fait un pneu, moi. Je dis que je tirais pas, je gardais mes balles. Ah non, on était à l'arrêt, on était à l'arrêt en fait, à un moment. Mais nous, je suis là. On s'est déplacé en fait dans le parking, c'est pour ça. C'était lui, on s'est bien rendu. Je suis toujours là. Et alors, t'es là. Et au final, c'est pas très grave parce qu'il y en a deux dans la voiture qui ont pris leur part plutôt que les sticks. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'en plus la conductrice c'était 44, je crois. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Let's go. Let's go. Cette pute de 44, je la déteste. J'ai envie de t'aimer. On m'appelle et je suis pas menotté, hein. Ah oui, si je veux qu'il me prenne 80. Wow, le haut-parleur. Alors, ça c'est un haut-parleur. Allô, ça va? Je suis dans raccroché. Et boyo, je suis blessé par le ballon, c'est tiré avec les boyos. Je te laisse. Ah, tu connais, c'est moi, je suis raccroché. C'est pour prévenir, tu connais, c'est que de la prévention. Ouais, les gars. J'ai nu, ouais, je sais. Aïe. Aïe, fils de pute. Je vous déteste, les Poyos. Bah, moi, je vous adore, moi. En plus, j'ai croisé des personnes qui faisaient de la moto avec un Kerman juste avant. C'est un truc. Fort sympathique. Ah ouais. Y'a rien. Bah, si, bon, Fort sympathique. Eh ouais, je sais. C'est nous. C'est nous. C'est pas clair. C'était nous. C'était nous, on est fort sympathique, évidemment. Ah bah oui, on va chercher des noises. En plus, c'est rare de nos jours des clubs de motards qui sont en moto. Donc, vraiment, respect. Tout un chapter. Ok. Ok, alors. On va avoir besoin d'un renfort à l'hôpital. On va te mettre des pressions à genoux. On va vous ramener dans les. Tranquille, appuyez sur vos blessures le temps. Ok, déjà, je vais vous ausculter. Et on va prendre les blessés les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont pris des rafales de carabine ou de balles de fils pont, de pute de 10, je déteste fils de pute. Ah, bon, on va commencer par madame. Allez, viens. En fait, je pense qu'il nous a pas madame... en fait. HK, ok, donc arme lourde. Vous pouvez suivre mon collègue. Vous allez aller en soins intensifs. Moi c'est lourd aussi. C'est lourd aussi, allez-y directement. Bougez pas, je sculpte. Tito, viens. On va se mettre à l'intérieur. Non, santé les Mayans. C'est quoi le rapport? Est-ce que t'entends ce que je t'ai dit? J'ai dit, reste ton chapeau, on avait parié, tu me dis bien. Non, t'étais pas là, Couchez-vous. Ok, reste, non, personne à l'intérieur. Trouvez des lits là, à mes hermanos là. Ok, bah voilà, bon cœur. Asseyez-vous côte à côte. Ils sont gravement blessés là, on va trouver des lits. Ok, c'est 9 mm, donc. On va se dépêcher, ok, on va se dépêcher. Bah, je te les mets en bobologie, mais Ouais, t'inquiète. Bobologie également. Allô? Ouais. Négatif. Oui, je vous ai appelé hier soir, capitaine, mais c'était hier soir, du coup j'ai plus besoin de vous aujourd'hui. Ok, ceux qui sont blessés, qui ont besoin de soins intensifs, venez avec moi. Je vous emmène à l'étage, on va vous opérer. T'as pas été blessé par HK, M4, etc. Ah, bougez pas, ouais, exactement. Le reste, vous faites les premiers soins pour la bobologie? C'est bon. Là, c'est de la roche, ça. Allez, où est-ce que t'as été touché? Ah, je sais pas, je sors des brancards. Elle est là, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, c'est bon, toi t'as les choses, je me rappelle de toi. Allez-y, madame. Padrino. Super. Où exactement? Je continue. Ok, j'appuie encore dessus. Ah, c'est fort, c'est bon. Ok, super. Je vous l'emmène en bloc opératoire. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Attends. Je vais me faire opérer pour la toute première fois. De Kade, est-ce que le bloc B1 est occupé? Accident de brancard, c'est de sang aussi. Ok, bah du coup, de Kade, je prends le bloc B1. Ah wesh, comme ça les salles d'opérés ici, putain. Hop, je vous transférer sur le lit. Hop, bougez.
sais pas. Juste essayer de changer de position. Ah, fille de Kay, du coup, lieutenant Ken, on les a mis en bobologie pour les petites blessures. Et pour les blessures plus graves, on les a mis directement au bloc. Au cas où, j'aurais besoin d'assistance, bloc B, si jamais il y a quelqu'un qui est disponible. Oh, la lumière, elle est atroce. Ouais, on va se mettre comme alors, ça. Est-ce que vous avez des allergies? Non, Kune. Rien? Non, rien du tout. Ok, super. Donc, on peur des aiguilles, pas de phobie, rien? Pas des phobies, pas peur des aiguilles, pas peur des sons. Ok, pas de soucis. Je vais vous faire une assise générale, d'accord? Assez clair. Vous dormir. Ouais. Pendant votre opération, je vais devoir vous retirer le cuir. Je sais que ça symbole le. Ouais, non, mais. Vous inquiétez pas, je vais le mettre. Doute, hein, vous inquiétez je vais le mettre en lution. C'est clair. Allez, je vais chercher le matos. Claro que si. Attends, parce qu'il faut que je m'enlève de F7. Bonsoir, madame. Bonsoir. Blessure par arme automatique. Faut l'endormir, faut la mettre sous anesthésie générale. Et je lui ai dit que justement on allait s'occuper. Donc je vais t'assister si t'as besoin. Ouais, effectivement. On va déjà la mettre sous anesthésie. Parle pas fort. Merci pour les follow. Le petit masque à oxygène, vous respirez bien ou pas? C'est clair. Oui. Un impact au niveau de la jambe, plusieurs au niveau du torse. Ils m'ont anesthésié là? T'as l'air d'y avoir une très grosse hémorragie au niveau de la bon, jambe. Bon, je l'espère, j'arrive, je vais pisser. Toucher un os, je vais faire une attaque. Pour en être sûr. Une légère fracture au niveau de la jambe. T'as besoin que je t'assiste sur quelque chose ou tu veux que je m'occupe d'autres personnes à côté? En vrai, si tu peux t'occuper d'autres personnes à côté, vu qu'on oh, ok, parfait. Si jamais on n'a pas eu le temps de la déséquiper, on ne sait pas si elle a quelque chose de dangereux sur elle. On a dû les transférer d'urgence parce qu'il y avait énormément de blessés. Ouais, ouais. Okay. Donc, une fois que tu la mets en chambre, tu me préviens et je vais demander aux agents de s'occuper de la procédure. Ok. Allez, parfait. Dans une chambre, t'as mon numéro? Est-ce que t'as mon numéro? 101, non? Ouais, 554-101. 554? Ouais, 554-101. Vas-y, 101. À toute. Ok, alors la jambe. Pas besoin de réduction. Si au bout de la radio on va quand même faire une réduction, je vais chercher ce qu'il faut. Oh là là là. Alors les blessés légers, il y en a quelques-uns qui ont déjà été soignés. Là on est en train de s'occuper des blessés plus graves, on les a emmenés en bloc. Bon, je ne cache pas qu'on va okay. S'occuper. Donc là c'est les blessés graves, il va falloir faire les opérations en bas. Je vais enculer celui qui avait la main, c'est bon?
Pardon, je suis myope. Ils en ont fini ou pas? On en est où? Chaleur. On en est où de l'opération? Vous pouvez me dire ou pas? La suite sur les plaies, ok. Donc je suis encore endormie, on est d'accord? J'ai des plaques? J'ai des plaques où? Pourquoi j'ai des plaques? Des plaques de quoi? Ok. Vous avez été soigné ici? J'ai des plaques de quoi? Tu mets des plaques quand t'as des fractures, non? Est-ce que vous avez été alors? Arme lourde. J'ai le foie perforé. Super. Ah bah que je meurs. Je vais être sous dialyse tout le reste de ma vie en fait. Attendez parce que je dois répondre à beaucoup de questions. Ok. Ah c'est très difficile à dire. Vous allez pouvoir passer avec les ordres. J'ai pas compris que l'histoire. Ok. Ok, merci. Juste voilà, demain quand vous vous réveillez, bah attendez. Décale-toi s'il te plaît. Je vais te faire un test de poudre. Ok, je vais sur le point droit. Ok, pas de test de poudre positif. Ok. Bah, du coup, c'est mon point. Mon test est négatif. Je suis pas équipé. Ok. Il faut juste la garde en cité. J'accélère à tout le. Merci. Eh ben. Ça en fait des. On est garnis ce soir. Alors, attends. Arrête de bouger, Miss. Arrête de bouger. Non mais arrête de bouger, par contre, meuf, sérieux. Attends. Elle est pas patiente. Je voulais me mettre là, mais... Ah, j'ai une chambre à moi quand même. Da 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 da
me teste, hein. J'ai fait toutes les pauses pour voir un peu laquelle est la télé la mieux, mais il n'y en a pas. La voix, t'as dit quelque chose ? C'est pas celle de Roupette aussi. Comment ça, c'est pas celle de Roupette ? Changeons-nous les idées. Ça va, Panda Marinou ? Coucou ! Coucou ! Désolée, j'avais pas vu. Putain, je suis tellement à la ramasse. Ouh, ça a craqué. Elle est allée s'allonger à l'autre bout de la terre. Attendez. Pardon. Oui, désolée. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi. T'as quelque chose à dire ? Il peut rien. Il peut rien. Juste sur le. Ouais, faut dire, elle dit plus rien. Ok, ça n'a pas l'air pour l'instant. La pépette. Mon amour, attention, attention. J'ai l'impression que c'est sa voix. Ah. Je suis censée me réveiller là ? Entends-tu le vent du vent, c'était le nom. Je connais pas tout, mais j'aimais tellement être Pocahontas. Je me rappelle de la loutre et le heron sont mes amis. Quoi, je suis en QWERTY, je comprends pas. Ah oui, parce que je fais le totem. L'air du vent. Ah ouais, c'est ça, putain. Toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, les eaux et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Oh là là, ça date. Pour toi, l'étrange ne porte le nom. S'il te ressemble, pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison ? Oh là là ! Elle est trop belle cette musique. Je la chante trop grave. J'ai pas le. Courons dans les forêts d'or et de lumière. Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors et ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Là-haut, le sycomore. Je me rappelle un peu.
Attends, c'est où qu'elle dit le héron et la loutre sont mes amis? J'adorais ce passage. Y'a pas? Où est-ce que c'est? La loutre est... Ah oui, voilà. Je suis fille des torrents et sœur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours, dans un cercle d'une ronde à l'infini. Là-haut, comme les gréalis. Je ne me rappelle plus du reste. Hein. Ah, j'adorais, c'était trop cool cette chanson. Elle était trop belle. Pour toi, je suis Lina. Oh là là. Je me rappelle plus de l'air. Elle était trop bien cette musique. Pocahontas, ça m'avait vraiment plu. C'est triste hein, quand tu comprends le sens de l'histoire quand même, tu te dis bon, pas ouf. Pas ouf, ouf, ouf. Tu regardes Avatar, c'est le scénario de Pocahontas, de ouf. De ouf. C'est bon, je suis aveugle. Ah merde. Ça fait un peu flipper d'être à l'hosto quand même. Et ça fait boum. Elle t'a fait boum, 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 en cœur. Souvent, je suis sur des chansons. Je sais pas combien de temps je dois rester inconsciente, les gars. C'est des trucs en ce moment. Ah, c'est un peu relou, non? C'est quoi ce problème-là? On est sur du... Ah ouais, ça pète bien. On est sur un truc comme ça un peu en ce moment. C'est la musique du moment. C'est mon beat de... Je crois que c'est celle-là. Vous entendez un peu le son? Trop bien cette musique. C'est musique libre de droit que je paye pour faire mes chansons. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, dis-moi quand est-ce que j'ai. Non, toujours pas. La chambre 110. Hello, désolé du retard, on a dû s'occuper de tous les Mayans juste avant. Ça se réveille doucement, mais sûrement. Pas, ça s'est bien passé? Oui, bah j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je l'expliquerai juste après du coup. Si, hola, hombre. Si, allô? Ouais, moi c'est Nesta Chen, oui, bonsoir. Ouais, qu'est-ce que c'est pas ça? Parce qu'évidemment, je suis en train de draguer une meuf, je suis sur un grand coup, je suis en train de baiser la copine de Whitney, mais il faut pas te dire. De Cade, pour cette scène, vous dire à l'individu qui est à côté de la vous de retirer le haut-parleur, on l'entend dans tout l'hôpital. Merci. Aïe aïe aïe. C'est Whitney là qui est en train de se faire tromper là? Bah, de ce que j'ai compris, oui. Bon.
Alors, madame, pour vous expliquer... C'est clair. Il y a eu une des balles qui a fracturé votre jambe. Enfin, qui a provoqué une fracture au niveau de la jambe. Et du coup, vous allez être sous plâtre pendant au minimum 24 heures. Ouais, claro. Donc, il faudra repasser un peu plus tard dans la soirée. Aux alentours de 22h, 22h30 pour... Demain, 22h, 22h30. Pour voir si, si la fracture s'est bien résorbée déjà. Si. Je vais vous donner une béquille ou un fauteuil si vous préférez, c'est vous qui voyez. Je pense que je vais préférer la béquille, c'est plus simple. Ok, d'accord. Après, je vais aller vous chercher ça. Gracias, señora, si je me fais. Et également, il faudra faire attention donc, à faire le moins d'efforts physiques possible. C'est clair. Prenez bien les antidouleurs et les antibiotiques que je vais vous donner. C'est bon. Quand vous revenez à l'hôpital pour faire le check-up radio, si. Profitez-en pour regarder si les sutures sont bien faites. Claro que si. Bon, après, je ne doute pas de vos compétences quand même. Je suis sûre qu'elles sont très bien faites et mes petites sutures. C'est juste voir s'il n'y a pas eu d'infection entre temps et si elles sont... la cicatrisation a bien avancé. Si, bien sûr, évidemment. Est-ce que je peux avoir votre pièce d'identité pour le dossier? Et je vais en profiter pour vous faire la facture en même temps. Tenez. Je sais qu'on a une mutuelle, nous, les Mayans. Ah oui, les Mayans, oui. Oui, effectivement. Ouais. Bah, et du coup, pas besoin de facture. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que les agents reviennent pour s'occuper de vous. Si. Vous allez me chercher la béquille, c'est ça? Ouais. C'est okay. Toi qui vas t'occuper d'elle ou... Il y a Bobby qui arrive. Ok, bon, bah, pendant que tu la surveilles, je vais chercher ce qu'il faut. Ah, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Reposez-vous bien. Ça va pas être très facile tout ça. Oui, bon, ça va, ils sont sortis les autres. C'est vrai, ils vont bien, mes hermanos. Oui, ils sont. Bah, des petites opérations à gauche, à droite. Claro. Ça va être compliqué pendant quelques jours pour certains, mais ça va. Oui, je me doutais. Vos collègues, ça va? Hmm? Vos collègues, ça va? Il y en a un qui dort à l'hôpital actuellement, le reste en général ça va, mais vu que pour certains il y avait présence de gilets pare-balles et... Claro. Ah, les gilets pare-balles ça aide pas mal. Faudra que vous m'en prêtiez hein, la prochaine fois s'il vous plaît. Je vais essayer. Si vous êtes assez sage, votre gilet pare-balles pourrait vous protéger... votre gilet pare-balles. Mon gilet de cuir, hein. Votre cœur pourra vous protéger des balles. J'aimerais bien qu'il soit pare-balles lui aussi, tiens. Donc, je vais le remettre d'ailleurs. Ah. Il est un peu taché, j'ai essayé de faire le nécessaire pour nettoyer, mais... Ne vous inquiétez sans pas. Sans avoir eu le temps de sécher. Alors, la béquille... Merci. Bien pris. C'est quand il veut, si jamais. Ah ouais. C'est la mauvaise main. Ah ouais, bah écoute. Ah putain, mon plâtre énorme. Très très drôle quand même. Bien pris. Il arrive, Bobby, ou pas? Il a pas l'air de vouloir revenir. C'est pas l'impression. Il y en a toujours. De quête pour Bobby, on t'attend toujours chambre 110. Bah, venez, on va aller en bas, on va aller en bas. Je vous suis. Allez-y. C'est très pratique. L'eau
clopide clopin. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, ben je sais. Merci, hein. De rien. Ah. Hop, Jaina, tiens. Si. Faut que je te mette une amende et tu sors direct, ok? Ok, je sors. Ça va direct sur place. Ok. Et voici Jaina. Si t'es pas solvable, il reste, tu connais. Ouais. Non, oui, attends, t'inquiète, j'ai travaillé pas pour rien. Allô? J'ai des sons. Allez, bah, tu peux y aller. C'est bon, je suis libre? Ouais, merci. Tu es libre, Jaina, tu es libre. Merci, adios. C'était elle en chambre 110? Oui, c'était. C'est gentil, merci. Bon courage à vous. Merci, vous êtes les plus beaux, ça, ici. Capitaine. Cachez-vous de nous, cachez-vous. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Ouais, on ne veut pas le vous poser de chair. Aïe, je on ne veut pas. Attends, la pauvre, elle a été blessée de 44 chavas. On ne veut pas être gentillesse, là. Bah, moi, je suis pas méchante, hein. Je t'ai fait un bisou parce que tu mérites. Moi, mon rétablissement. Attendez, madame. Si. Est-ce que vous avez eu votre amende, madame? 4 000 $, t'es courageux. Ça pique un peu, en gros mot, oui, monsieur. Ça pique un peu. Oui, hein, déjà, j'ai les plâtres, j'ai l'allemande, et je vais pas pouvoir baiser avec mon copain, c'est pas cool, hein. Ah bah, écoutez, mais attendez, un plâtre n'empêche rien, madame. Ouais, mais bon, la leule, elle est compliquée, là. Allez, ciao. Allô, tio. Oui, tonton, tio, je suis... Bah, je suis à l'hôpital, je suis avec Tan. Ah, ok, bah, s'il peut te déposer au club, c'est bon. Il va me déposer au club, t'inquiète pas. Vas-y, nickel. Qu'est-ce que tu fous là? Mais j'allais t'appeler justement. Et pourquoi tu m'appelles pas avant en fait? Mais parce que j'ai mon oncle qui vient de m'appeler, je viens à peine de sortir de la chambre de pré-opération. J'ai été rafalé par une automatique. Ça m'a fracturé la jambe, perforé les foies. Quoi? Si. T'as vu ça un peu comme ils sont méchants avec nous. Putain, flic de merde, c'est vraiment des bâtards. Ah ouais, ils ont fait ça. Mais tu sais quoi, pendant une semaine, plus aucun flic pourra acheter des balles de calibre 12. Voilà, ils sont enculés. Ouais. Ils veulent jouer à ça. Tu vas voir, c'est quand on y va. Ah, Ethan. Ouais, Ethan, tu vas voir, Ethan. Hop. Merci, Niamar. Attends. Mais ça va, enfin, je veux dire... Bon, j'ai connu des jours meilleurs, hein. J'ai pas démenti, hein. Voilà, là, je suis foutu, hein. Pour des... Pendant combien de temps, t'as... 24 heures. Jusqu'à demain, 22h30. Et ta moto va aller où? Elle est à côté du parking bleu dans le centre-ville. Laisse-moi les clés de ta moto. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Je vais te laisser les clés. Je récupère ça sur la boîte. La boîte à gants. Attends, c'est... T'es une erreur. Hein, c'est pas ça. En fait, c'est pourquoi. Parce que t'es beaucoup trop belle, tu vois. Et ils ont été jaloux. C'est ça, dis-moi que c'est ça. Hein. Ben, j'aimerais bien que ce soit le cas, hein, mais bon, je suis pas tombée des suites, hein. Déjà, c'est une bonne chose. Putain, et ça va, il n'y a pas eu trop de blessés? Si, on a tous été... Ça nous a rafalé dans tous les côtés. Putain de merde. Ça va, il n'y a pas eu trop de blessures graves? On en a beaucoup. Le président, Padrino et Ernesto, moi, on a été rafalés par des automatiques. Waouh. Ça nous a encerclé, ça nous a fusillé dans tous les sens. Oh. C'est pas grave, c'est la vie. Ben non, mais dis pas ça comme ça, dire ça comme ça, c'est pas grave, c'est la vie. Si, bon, dans le sens où moi j'ai me dit que j'ai de la chance de pouvoir respirer encore, tu vois, il y a plus oui, grave. Ça c'est vrai. Mais bon, à deux doigts, je la prenais pas le tête. Hein. Alors là. Alors là, j'ai dit, moi je vais pas mourir tant que j'ai pas baissé avec Ethan. Ah bah oui, bah tu sais quoi, on baisse pas. Alors là, tu vas attendre. Aïe, non, mon amour, c'est bon. Déjà, j'ai commencé à avoir
Non, j'y vais avoir de la croûte. Mais j'ai un bon burin, je t'ai dit, ça me dérange pas moi, c'est la vrai, croûte, tu sais. Mais moi, j'y vais pas avoir la croûte. Ah, ok, d'accord. Je veux rester jeune et fraîche. T'es fraîche, c'est bon, t'es fraîche, t'inquiète pas. Pas comme les fruits des mers que t'as mangé il y a des jours, hein. Waouh, ça, par contre, t'as vu, ça c'est bas. Tu vois, oui, j'avoue. C'est vrai que ça aurait été Tamoul, j'aurais pas été malade. C'est vrai. Tu vois, t'as fait un mauvais choix, Ethan. T'as fait un mauvais choix. J'ai même pas de place, tu vois, c'est chez moi, regarde. Garde pas devant chez nous. Non, quand même. Mais en attendant, c'est juste. C'est bon, je me garde là, pardon. Attends, bouge pas, attends. Ne bouge pas. Non, j'y bouge pas. Ah, bouge pas, ok, bouge pas. Non, j'y bouge pas. Merci, mi amor. Ah. Ça va? Attends. Wow. Vas-y. Oh, et bébécito. Ouais. Je vais te montrer du coup le vêtement que tu as. Mais... pas bouger de suite. T'as des voitures, hein, cul. Alors. Oh. C'est trop bien. Ouais, ils sont trop forts. C'est la demoiselle qui fait la déco? C'est Selena, c'est un peu qui t'a chanté. Mais oui, mais je la reconnais. Je la reconnais à peine. Ouais, c'est canonissime. Ah, c'est ma chanteuse. Vous allez bien, les amoureux? Ça va, et vous? Ça va. Vous allez blesser, pour ça que vous avez rafalé, mais ça va. Oui, bien sûr. Ça va bien? Oui, ça va. Je ne suis pas morte, comme j'ai aidé à Ethan. Le principal, c'est que je ne suis pas morte. J'ai le foie percé, j'ai une jambe fracturée, j'ai les poumons percés, mais ça va. Oh, bah ça va être un bon dodo, ça. Oui, exactement. J'ai bien comment elle dit. Y a ça va de pire en pire. Elle dit, mais tout va bien. Faut mais pas ça s'en va. Faire. Je suis en vie. Donc à partir de là. Oui, c'est vrai que. Ethan, on est en train de concocter. Canon. Non, mais vous êtes. Donc du coup. J'ai trop hâte de voir quand c'est fini. Ah ouais. De base, je leur ai juste demandé un stand de tir de base. Hein, quand même. Si. De base. Ah ouais. Non, c'est donc, trop coup, bien. Côté bar. Oh là là. Attends, t'as pas dit Ethan. En gros, ici, on va retirer la télé, on va mettre une télé ici, avec ton logo qui est défilé, les menus, etc. Le télé reste là, c'est l'autre. Putain, mais vous avez une imagination débordante, les gars, vraiment. Je te jure que tous les trucs de paintball et tout, c'est eux qui ont tout fait. Oh là là. Mais le paintball, moi, je connais pas. T'es jamais allé? Non. Tu m'as jamais emmené. Bah oui, mais en même temps. Tu es triste. Ok, je vais t'emmener. Ok, je t'emmène. Putain, j'ai hâte d'avoir mon appart pour pouvoir les décorer. Ça me donne trop envie. Je te jure, c'est les Sims. J'y kiffe. Donc là, tu vois, donc stand de tir. Si. Donc on va. Ça va être trop bien. Le louer et puis faire des formations pour ceux qui veulent un peu se tenir en forme, pouvoir tirer. Si. Possiblement, je mettrai à disposition l'arme automatique que j'ai, mais pas à toutes les personnes. Ouais, hein. Non. Fais gaffe parce que tu sais que s'il y a des gens des malfaiteurs, ils vont te choper pour la choper. Hein. Ouais, mais bon, disons que moi je suis un putain de Superman, en tout cas. Ouais, non, mais attends, qu'ils arrivent. Hein. Moi j'ai unique, j'en prends un pour taper sur l'autre et puis après j'en étripe un, je lui fais bouffer les intestins de l'autre. Oui. T'es laissé. Hein. Et bien. Et moi j'y bouffe la moitié de l'intestin aussi. Et là, bien, et c'est là... quand tu miaules, c'est trop mignon. Je t'ai fait encore pire que ce qu'il m'a demandé, Bakary. Alors, en fait, pour t'expliquer, c'est un terrain. C'est un terrain. De VST, je ne sais plus quoi. En gros, tu vas avoir une arme. Si. Tu auras des cibles. Et c'est un petit parcours du combattant avec des armes. Et celui c'est qui fait bien. Le meilleur temps, on fera gagner des choses, tu vois. Voilà, alors de base, c'était ça. Maintenant, viens voir. Et alors, il est marseillais, le mec. Jamais la vie, j'aurais dit que c'était l'accent de Marseille. Alors, je t'ai fait escalier. Enfin, je t'ai fait une sortie avec double escalier. Ici, tu vas avoir des petits bureaux avec des cibles. T'as une petite fenêtre. Attends, mais le mec, il fait des étages et tout. Oh non, mais c'est un psychopathe. Attendez, ici, vous faites des étages. Ici, t'as une petite fenêtre ici, tu vois. Avec là, tu mettras une cible. Donc là, ici, tu vas avoir des petits bureaux, un petit décor un peu. Ça, c'est bureau et tout ça. Ok. Là, ici, pareil, tu vas avoir un petit décor avec style bureau avec des cibles. Et là, ici, t'as une fenêtre avec une cible qui va être à une cible c'est à différents endroits sur le mur là-bas. C'est oufissime. C'est incroyable. Putain, mais vous chérez, les gars. J'espère que vous payez cher. Disons qu'ils se plaignent pas. Hein. On n'a pas besoin de se plaindre. Combien 50 quoi, 100 200 300 Je me plaindrai tout le temps. $100. Non. Non, en vrai, là... Mais $100, il est mort, en fait. Bah, tu m'étonnes. Mais moi, j'ai... Non, là, en vrai, l'équivalent d'environ $50,000 pour ça. Ah ouais, quand même, au moins, minimum. Bah, après, c'est du boulot. Mais tu sais qu'ils ont fait ça vite, hein. Tu sais qu'ils ont commencé hier, hein. Ouais, mais... Hier.
Non mais c'est des psychopathes. C'est des... Quand je dis vite, c'est que moi je mettrai 800 ans. T'inquiète, si un jour on vit ensemble, c'est moi je m'occupe de la décoration, mais j'appellerai Selena. Réel, ah bah réel, parce que putain, sinon c'est galère. Tu vois, là, donc là, ça va être le petit bar sympathique, tu vois, le petit chapeau, évidemment. Si, si. Tu vois, le petit bar et tout, donc au moins les gens pourront se poser et tout. Et tout claro, ça, comment j'y vais. Ay, c'est claro. Cool de fou, hein. J'ai hâte de prévoir mon plâtre. Selena, oui. Tu m'en rajouteras une part de pole dance. Tu sais, je dois... T'as cru que t'étais où, là, hein? C'est pour le travail, ici. Après, alors, si tu veux, après, je peux te faire un petit... Viens, reviens, Ethan, je vais te mettre un truc. Oui, je reviens. Je vais la déposer. Il m'attend, là. Tu veux ma mort, ah, mais je savais pas, t'aurais dû me dire. Mais non, mais... Merci. Ethan! Je parle plus aux flics ce soir. Merci, mi amor. Tu fais gaffe à toi, ok? Je te pose là. Allez. Attention. Fais gaffe à toi. Pisse. Hein, la Renate, c'est mort de quoi? Je vais la chauffer par là. Aïe, mais laissez-moi rentrer, la con de vous! Allez, laissez-moi rentrer là! Ça va tranquillement, Ethan ou quoi? Baisse-moi en côté là. Au secours! J'essaie de rentrer! Qui m'importe. Tu vois rien? Il se passe quoi? Allô? Tu es où là? Y a quelqu'un? Aïe! Pourquoi on me tape? Il se passe quoi? Je suis aveugle! Non, ah, ça va bien. Non, ça va pas. Mais c'est qui m'importe? Ah, non. Y a quelqu'un? J'y vois rien. Tombe par terre, tombe par terre. Ah. Attends. J'y arrive pas à tomber par terre. Ah, ça y est. Aïe. Ça va? Pardon. Allez, on a une table, on va goûter un. Potentiellement nous regarder. Regarde-le sur toi. Ça veut dire si on rentre dans ce délire là, d'accord? Mais t'imagines bien que eux, quand ils sont arrivés, ils ont entendu, ouais, ça nous tire dessus, bah ils sont arrivés, ils ont tiré avec les armes qu'ils avaient. Ouais, comment ça se fait, vous avez pas de plâtre, vous? Moi, elle m'a dit, ils ont été aveugles, ils t'ont fait négocier. Dites-vous que l'endroit où j'ai pas pour négocier, moi, on m'a opéré. L'endroit où j'ai pris le plus de balles, c'est la main. Ah ouais, tu laisses tes mains dépasser. Comment c'est la table, parce que j'aimerais bien aller voir la bijouterie, moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, mais c'est pas Padrino qui va parler. C'est moi qui va parler aujourd'hui. Voilà. Déjà, les gars, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Première fois qu'on voit une table un peu remplie, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai, c'est ma deuxième table, moi. Effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait plaisir que tu sois là deux soirs de suite, Carlos. Putain. c'est le dernier, après, je suis pas là. Du coup, ce soir, nous sommes là pour un vote. Un vote assez spécial, quand même, parce que c'est pour qu'un nouveau gradé voit le jour. Je parle de Silvio, qui s'est proposé pour être capitaine d'El Camino. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous savez très bien. Ce qui va gérer nos déplacements en convoi, nos potentiellement plans fuite, tout ça. Voilà. Donc on va faire un vote, ça va se passer à l'unanimité. S'il y a un non, c'est non, du coup. Et on veut des raisons et des motifs. Si c'est un oui, vous donnez les raisons. Si c'est un non, vous donnez les raisons également. Voilà. Petit, pourquoi tu serais un bon capitaine d'El Camino, Silvio? Vas-y, si tu veux, lève-toi. Ouais, parce que j'ai eu 14 919 sur l'état de San Andreas. Ah, j'étais au Geyser. C'est trop loin. Et le BD? Ah, j'étais à Geyser. Ouais. Bah, c'est un argument comme les autres. Hein. Bah, j'ai pas la ref. Non, il faut pas avoir la ref. Attends, je peux aller chercher mon post-it dans mon casier? Oui, montre-le pour ceux qui sont pour montre-le vu que t'en es fier. J'ai pas la rêve de ça. En gros, c'est comme je vais au Geyser, tu dois deviner des endroits dans la ville. Voilà, en gros, tu dois deviner des endroits dans la ville et c'est pour dire qu'il connaît la ville par cœur. Il a quitté la table. Hein. Oui. Il est allé chercher un post-it. Tiens, regarde, Carlos. Mais j'avoue, c'est une faute. Oui, mais il a demandé.
connais? Non, je connais pas. Oh, mais t'es si vieux, t'as d'autres raisons que ton truc de con là. T'as d'autres raisons qui pourraient nous motiver un petit peu plus à voter oui, Silvio? Non. Bah, parce que je fais le boulot comme vous diriez, Padrino. Je suis présent et vous êtes le membre en qui j'ai le plus confiance, vous me l'avez dit tout à l'heure, hier, en tête à tête. Là, tu t'adresses. Ah, t'as dit ça, regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Ah ouais, okay. Bah, je lui ai dit que sur les miens, bro, c'était le membre en qui j'ai le plus confiance, oui. Non, il y a mon petit frère. Même pas moi. Bah, il était arrivé hier. Il y a, Carlos. Oui, il y a, oui. Bah, je parle de, personnes qui sont là souvent. Et il y a Ignacio. Et t'as pas confiance en ta nièce? C'est vraiment pour et le surtout, coup. Et surtout, je parle de membres, pas les gradés. J'ai organisé une bijouterie. J'ai été le premier à organiser un business secondaire, c'est-à-dire la tôle, même si c'est de la merde. C'est vrai. T'es un bavon, t'es un bavon. Et je balance ceux qui font pas bien les choses pour le club. C'est vrai, je confirme. C'est une poucave. C'est vrai que t'es une petite poucave. Ouais, non, je confirme. Non, je poucave pas, je balance. T'es une petite poucave pour le bien du club. Il a rétabli la vérité. C'est vrai. Eh bien, moi, je vais commencer direct. Bah, les couilles. Hein. C'est pas moi qui dois commencer normalement, je commence. Moi, je dis oui. Même si ça va me faire chier d'être pas devant pendant le convoi. En vrai, ça m'emmerde un peu. Parce que j'aime bien ma petite place, mais bon. Vous pouvez toujours être devant. Ta gueule. D'accord. Dis oui. Je dis oui parce que j'ai confiance en toi. Je sais que quand tu vas dans quelque chose, tu te mets à fond. Et si toi t'en as envie, et bah je peux que dire oui. Je dois vraiment répondre moi. Ah oui. Ça me fait chier, hein, sache-le. Hein. Après, je peux juste dire oui. Hein. Mais je suis obligé de dire oui quoi. Les raisons, pourquoi t'es obligé? Moi je suis curieux de savoir vos raisons parce que c'est gardé. Parce que c'est mon cousin et que j'ai confiance en lui à 200% et que je le connais depuis qu'il est petit. Il y a pas plus de raisons. C'est pas mal. Vas-y Louis, c'est toi. Moi c'est oui. Parce que c'est mon cousin éloigné et je le connais depuis tout petit. Allez, Lita. Eh oui, enfin, tu savais pas encore, mais voilà. Non, parce que c'est un bon, il sait gérer les choses, on va dire. Il sait gérer des hommes aussi, donc c'est tout ce qu'il faut. Ok, Reina. Bah, moi j'ai dit oui parce que c'est le roi du lac. Hein? Du lac? Du lac de quoi? C'est quoi ces raisons de con? J'ai toujours pas la ref. Hein. J'ai pas non plus. C'est quoi le lac? Bah, la con de ta mère, Tito! Oh putain. Et même là, il se fait baiser, quoi. C'est fou ça. Moi, j'ai pas osé. Hein. Il a fait pour moi. Merci, Silvio. Voilà. Donc, j'ai dit oui, non, je lui fais confiance. Bien évidemment, je sais très bien que s'il prend les leads des combats, de tout, ça va bien se passer. Qu'à chaque fois, il aura des idées. C'est un jeune, il a ça dans les sons. Donc, très bien. Oh, jeune, pas tant que ça, mais ouais. D'accord. Oh, ça va, il est pas si vieux non plus. Hein. C'est ton cousin éloigné aussi, il faut le dire. Ah, il s'est cousin éloigné. C'est mieux. 25 6, 30, 30. T'es vieux. 25, comment ça, 30 25 plus 5. Imagine quand t'auras 47, quoi. Voilà. Bon, Tito, tu pourrais aller un peu plus vite, parce que si alors, c'est pour les comptes, là t'es là, hein. Ouais, là, c'est alors, là. Justement, bah, moi, ouais. Je dis oui, ouais. Parce que Silvio est une bonne personne, et il dénonce toutes les personnes qui chutent et que je ne pourrais ne pas voir. Donc juste pour cette raison, moi je trouve que c'est une personne honnête et droite à qui on peut faire confiance. Ah oui, je dois 400$ d'ailleurs. Tout à fait. 600. J'allais le stipuler. Non, 400. Ah 600, c'est possible. Ah non, 400. Après, vas-y, à toi. Oui, il y a une réserve. Sur un point, c'est qu'en fait c'est... Mais attends, tu vas prendre Franck, si moi il dit oui, tu prends le rôle de capitaine de la camion. Mais... ça, c'est à savoir comment ça va s'organiser parce que on a un problème depuis qu'on s'est installé à San Andreas. C'est l'école des trois grosses têtes là, qui est sur le côté là. Rory, les membres, je sais pas du VP camp. Et Louis, savoir si vous allez le laisser faire toute l'école en moto et pas à chaque fois prendre ouvrir le. La je réponds sincèrement. Je crois que t'en as une 3 là. Ça ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, le truc, okay. C'est que c'est lui qui va décider tout là. Non. Attends, ça veut dire que si on est en convoi, si on est en convoi et que moi je vois un truc et que je dis go, suivez-moi, j'ai pas le droit. Bah non, mais si, bien sûr. Mais bien sûr que c'est ça. En fait, non, mais ça va être limité. Là, non, c'est que tu dois parler avec lui, c'est lui qui conduit le convoi. En fait, le cas des camions, c'est quand on est
Si on doit faire une transaction, je dois lier, je dois dire l'adresse qu'on doit aller. C'est des trucs comme ça. C'est tout le temps lui qui organise le convoi, on est d'accord. Oui, mais en opération, si le mec prend un call, il va suivre. C'est ça, le truc, c'est qu'il est capitaine del Camino, mais c'est pas obligé qu'il soit tout le temps à l'avant du convoi. Il peut être à l'arrière, en retrait, et regarder ce qui se passe. C'est lui qui doit le structurer, on est d'accord. Voilà, il structure. Voilà. Je commence à transpirer du front, là. C'était pour parler à peu près du rôle qu'il va avoir. Ce sera pour organiser les convois, quand on voudra aller faire des plans, comme avec la ferme, etc. C'est oui. Bah, Carlos. Je te ramène un pack. Après, je suis d'accord, donc là, j'hésite un petit peu, parce qu'il essaie de m'acheter. Prévu qu'il fait... Hein ? Prévu que je tombe, il fait bien les piscines, bah écoute, vas-y, go. C'est quoi cette table ? C'est un cousin éloigné aussi, de ce coup-là. Ouais, je suis claqué le tête, hein ? Hein ? Non, c'est très bien. Moi, je t'ai dit très, que... Très bien, moi, je suis... Je sais que... Ray, mais c'est pour un ma part, mec... c'est non. C'est trop tôt. Là, on est... Ouais, c'est une petite blague. Non. C'est bon, t'as connu pas de rhinos à 47 ans. Ah non. Je suis très sérieux, là. Il n'y a pas de blague du tout. C'est que là, pour l'instant, tout se passe bien. Des preuves, t'as pu aller faire. Mais la nécessité n'est pas là, pour le moment. C'est une unanimité, tout ça pour ça, alors. Tout ça pour ça, alors. En gros, Padrino, tu nous fais faire une table où tu nous dis, machin, va devoir discuter. Tu t'entretiens avec lui en privé pour avoir ton propre avis, etc., etc. Tu nous dis à nous-mêmes, oui, je pense qu'il fera l'affaire, etc., etc. On se retrouve à la table, et pour passer pour le méchant, les casse-couilles, tu dis non ? Alors non, que t'as dit, tu disais oui il y a deux jours. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Padrino, tu parles beaucoup, Padrino. C'est vrai que. Padrino, t'as bien compris. Dans tous les cas, j'ai dit oui. Voilà. Mais pour moi, il y a deux warnings quand même à faire attention. C'est que là, tu rentres chez les gradés, donc avec nous, ça n'y a pas de problème. Mais tu fais attention à comment tu parles aux gens. D'accord. Ouf. Pareil, tu fais attention à ce que tu vas dire. Là, on te donne une responsabilité importante. Tu vas gérer les convois de tout le groupe. Donc, moi, j'ai confiance en toi sur la route. Mais tes petites envies des fois parfois d'aller là-bas, d'aller là-haut, tu vas les calmer. Là, on se déplacera tous ensemble. Il faudrait que tu sois court, précis et concis. Pas de détour. C'est baissé. Ta tête, t'as des très bonnes idées, mais faut pas l'écouter tout le temps. D'accord. Voilà, c'est tout. Ça, c'était drôle, ça. Mais bienvenue chez les gradés, du coup. Bienvenue chez nous. J'y ai cru aussi. Court, concis, c'est un peu la même chose, mais Padrino a raison. D'accord, bah écoute, bienvenue, c'est bon, c'est voté, tu peux te sortir le marteau. Et après tu viens dans le bureau à l'erreur, si je peux te parler. Attends, je suis déjà en béquille, s'il te plaît. Allerio. J'ai raté. Non, tu veux pas. Allerio, s'il te plaît, je suis déjà en béquille. Voilà. Mais il est nul, ton marteau, il claque pas. Allerio, bureau. Mais bureau bien aussi. Bureau. Il y a pas de bureau. Allerio, viens, je te dis un truc vite fait. Qui doit aller au bureau, moi aussi. C'est moi. Non, juste aller. Là, on est trois à avoir posé nos téléphones. J'ai dit que je le gardais, moi j'ai pas vu. Tape gradé, je le garde. Exactement. En plus, les autres sont partis faire une bijouterie, donc là, si on a pas de téléphone, c'est. En gros, en pleine soirée comme ça, je. Après, d'un côté, on verra si. Attends, Tito, viens avec moi des secondes. Oui, mais tu me dis. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à nouveau. J'étais dans les 400. Oui, c'est vrai. C'est effectivement. Je les ai dans les coffres. Comme ça, je les fais maintenant parce qu'après, je vais oublier. Oh là là, j'avais 10 000 tourons là, tu casses les couilles. Hein. T'as 9600, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, ça fait moche. Mais si. Non, ça fait moche. Bah, au pire, prends les 600, tu me donnes les 600. Ça non, c'est 400, je te donne pas 600. Oui. Oui, mais non, ça fera 9000 si tu me donnes les 600 qui restent. Hein. Putain, celui-là. Arrête de t'accrocher au mur. Hein. Attends, je vais demander à... Excusez-moi. Toc, toc, toc. Excusez-moi. Je ne veux pas. Et pourquoi tu veux pas? Et parce que ma place est ici. Je peux vous poser une question?
Oui, oui, dépose-nous une question là. Moi, dis-le que je t'emmerde, ça ira plus vite, hein. Non, non, mais c'est eux, c'est pas toi, c'est, pas, c'est eux là, ils se disputent. Et arrêtez vous disputer, c'est pas joli. Merci, merci. Et est-ce que j'ai peu, est-ce que vous pouvez considérer que je suis en off là, parce que j'ai mon plâtre quand même. Et t'inquiète pas. Ok, bon, oui, bah, je vais aller me faire encouler. Ricardo. T'inquiète pas, vas-y. Aïe. C'est quoi le problème? Pourquoi ils ont pas de ils ont pas de plâtre? Je vais me faire une tenue jogging. On va se faire une petite tenue de jog. Genre en mode... Ça dépend de qui s'est occupé d'eux à l'hôpital. Wesh. C'est pas juste, c'est tout ce que je dis. Ethan, Ethan. Alors attends, juste. Pantalon. Attends, je crois qu'il y a des... Je vais juste mettre un... Une culotte, petite culotte, petite culotte short là, ils sont là. On va mettre la rosée blanche, t-shirt, tac tac. Je crois, je suis pas sûre qu'il y a un jogging. Ah merde, ah ça dépasse, donc il faut un legging. Piège. Sinon, je mets un petit... Ah, oh, putain, ça dépasse, c'est pas beau. Ah, ça. Bon, mais du coup, pas de culotte. Ou en tout cas, pas celle-là. J'espère que j'ai pas le t-shirt blanc avec ça. Il y a moyen que je le mette en... Ah ouais, mais non, il déborde, j'avais pas vu. Fuck. Alors attends. Y a pas moyen que j'ai. Voilà, on va mettre ça. Ah, je suis encore un truc là? Vraiment? Je suis encore en QWERTY. J'allais t'appeler justement. Dis-moi, ma reine, tu fais quoi là? Bah justement, tu vas te reposer ou pas? Non, je suis en off parce qu'il m'autorise à prendre du temps pour moi là pour le coup parce que je peux rien faire de toute façon. Il y a un truc sympa à te proposer. Vas-y. Dis-moi si t'es tenté. En gros, t'as vu, comme je t'ai expliqué, il y a un son qui va sortir pour ma campagne. Okay. Si. Et donc, le producteur qui m'a appelé, il aimerait bien qu'on se rejoigne au studio. Si. Pour qu'on décide un peu s'il y a 2-3 idées, s'il y a peut-être une instru à choisir ensemble, tu vois. Claro. Et il m'a demandé donc du coup bah, de ramener des gens que je voudrais leur avis. Donc du coup il y aurait Kama, toi, moi, si. Et lui et son assistante du coup. Ok. Si ça te tente, on peut aller là-bas et faire ça. Bah vas-y, je suis devant l'amination là. Bah, écoute, t'auras pas le temps de raccrocher que je vais être là. Okay. Ah bon? Donc combien de temps? Hein? Donc combien de temps? Je sais pas. Ça gratouille. Parle-moi. Ça gratouille là. Ça gratouille, okay. Je les connais là. Parle-moi de ton premier mec, le nom de ton premier mec. C'est qui? Il s'appelait Mike. C'est quoi ce vieux nom là? Bah t'es. Bah, c'est quoi ce. C'est bon, je suis là. Je veux plus savoir. Que t'es con. Je veux plus savoir. Attends. Si, mi amor. Putain, j'aurais dû demander la chaise roulante. Merci. Attends. Ah, aïe.
J'ai mis une jupe pour que ce soit plus facile à enlever. Avec les plâtres, je veux dire. Bah oui. Bah. Pour ce soir, pour dormir, tu comprends parce que... Évidemment. Alors, je vais juste récupérer mon arme, on sait jamais, j'ai plus confiance aux gens. Attends, j'arrive. Hein. Ah putain, si, t'as raison, je vais aller... Ah mais non, je l'ai plus. putain, ça me fume la chaussure, mais de ouf. C'est relou. Ah na, na, na. Last night the DJ set my life. Last night the DJ set my life. Putain, 4000 talents du monde, c'est pas tard. Mais non. Si. C'est vraiment des salopes. Hein. Ouais. Ils te rafalent et puis après ils te font payer. Attends, ils t'enculent, ils te prennent ton arme et en plus ils te font payer. Exactement. Les principes de la justice. Ouais. On t'encule mais on t'a pas encore assez enculé, on continue. C'est ça. Et en plus tu dois dire merci, gracias. Ouais, ouais, je... La justice. Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé chasser, mais je crois que j'ai plus des balles. Chier. J'en rachète. D'ailleurs, tiens, j'ai mangé si tu veux dans le truc. C'est un truc unique en ville. C'est de la soupe Campbell. Ça n'existe plus. C'est fini. Ah bon ? Ah ouais, ouais, vu qu'il n'y a plus les Campbell, du coup, bah, c'est le dernier qui reste. Arrête. Ouais. Mais gardez-les. Mais c'est... non, mais il m'en reste 75. C'est bon. Ah, il t'en reste 75. Ce que j'allais dire, c'est authentique. Mais non, mais non. Ça, c'est vraiment, tu vois, je partage avec toi la 20. Tu t'en prends une. Mais vas-y, prends, t'inquiète. T'es sûr toi. Oui, oui, t'inquiète. Oui, merci. C'est trop bon, ça. Il y a quoi dedans? T'es sûr que tu veux savoir? Bah, maintenant que tu me dis ça. Ah putain, mais t'as mes clés, faut pas oublier ça aussi. Hein. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Oui, moi oui. Hein. Oui, oui, toi, oui, moi non. Moi, j'ai pas la tête en place, fais voir. T'as la soupe Campbell, tu as en fait des... Donc du sel. Claro. De la tomate. Si. De l'eau. Si. Et un ingrédient secret de la famille Campbell. Et c'est quoi l'ingrédient? Mais goûte-en une. Mais goûte-en une et tu me dis si tu le sens ou pas. C'est protéiné. C'est un peu âpre. Ouais, mais c'est protéiné. T'as secoué avant Ah, arrête. Quoi? Arrête. Quoi? Mais goûte, ça se... Quoi? Non, arrête. Mais quoi? Mais quoi? Je te demande juste si t'as secoué la truc avant pour pas laisser de rire. Arrête, j'ai envie de vomir! Mais. T'as reconnu le goût? Non, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Hein, c'est des lèvres? Bah, ça dépend. Si c'est mal fait, ça peut faire des grumeaux, ouais. Ah! Ethan, je vais te niquer ta race! Du coup, voilà, je. C'est mal fait, hein. Et je t'assure que c'était bien fait, hein. Non, je travaille moi fait. Là-bas avec eux, tu vois. Et j'en ai fait aussi. Tous les jours. Ouais, j'en ai fait aussi. Ouais, le diner, c'était une époque avant. Aïe, putain. Voilà. C'est quand j'ai perdu l'amination, ils m'ont recruté, tu vois. Si. C'était incroyable. T'as travaillé au diner? Mais t'es sûr? Bien sûr, t'as travaillé au diner avec Barbara. Il y avait Emma, Daniel, il y avait une fille qui s'appelait Roupette, complètement ch'tarbée, tu vois. Si. Et il y avait Lulu aussi. Lulu. Et Lulu, les Campbell c'était ta après. Femme, c'est ça? C'est ça. Mais disons que c'était une vraie ambiance, hein. C'était une vraie ambiance. C'était... Ah ouais? Ouais. Une anecdote, ok? Si, dis-moi. Première fois que je rencontre une certaine Roupette, tu vois, là-bas. On est allé à l'arrière de la boutique et il a voulu me branler. Aïe, claro! Ouais, je te jure. Mais arrête, moi, à l'époque, je disais non. Moi, je disais non parce qu'il y avait lui pas loin, tu vois. Si. Mais elle avait des putains de nénés, par contre. Aïe, claro! Et le pire, c'est que du coup, je lui présentais du coup mon amie Anna, tu vois. Si. Et là, oh, des pleurs de rire. J'ai envie de te bouffer le tacos, j'ai envie de te faire des choses et c'est tout. Vrai. C'était incroyable. Aïe. Franchement, c'était incroyable.
Rupette. Ah, c'était un personnage aussi, vraiment. Hein. Putain. Rupette. Nymphomane, je pense. Ouais, je pense que c'est Nymphomane. Qui c'est qui s'appelle comme ça? Ah bah quoi, tu t'appelles Biraina. Je t'emmerde, mais je t'emmerde. Je t'emmerde, non. Ay, que coño. Monsieur mais non, mais Flores Etan. Claro, je retiens. Mais non, c'était pour taquiner. Oui, ça a bien marché, hein. Merci. Hein. C'est mieux que Ross, ouais, clairement. Etan. Ah, monsieur Ross. Je vais bien devenir votre Rachel. Allez hop, on va aller du coup chez les RK, je vais te poser devant. Ça me fait plaisir. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Cobra. Mon deuxième Ethan. Ça va? Tu sais qu'il est plus là, lui. Hein. Oui, je sais, il est tombé malade. Ah, c'est dommage. Hein. Oui. Oh là là, quel dommage. Oh, j'aimais ouais. bien sa petite crinière blonde. Bon, ça va, c'est bon. Je l'aurais bien baisé, lui. Quoi? J'ai pensé qu'on pouvait tout se dire. Non, attends. Non, si, attends, je vais. Attends. C'est le freinage qui avait. Il y a un peu de mal, c'est bon. Ah, 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 oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai cru que t'avais pris les poteaux. Non. J'attends juste qu'il m'appelle le mec et puis on y va. C'est à côté. Hein. Mais alors, tu l'aurais même baisé. Comment il s'appelle, le blanc, les gars là. Oui, je l'aurais baisé. Oui. Comment il s'appelle? Rikem. Ah oui, je les connais. De toute façon, lui, il prenait que mes miettes, de toute façon. Oui, je sais, il prenait tout ton ex et tout. Bah, il aurait pris ta future, hein, d'abord. C'est toi qui aurais pris. Ça aurait fait beaucoup quand même. Ça aurait fait beaucoup quand même, tu vois. Ton ouais. Futur, et ça va. Le coup aussi, ça va. Imagine. Ah, le mec, c'est une curse, le truc. Il est complètement. Non, mais tu sais, Rena, je suis pas jaloux, moi, en vrai. Ça va, tu vois. T'es pas jaloux, toi? Moi, je. Mais je connais pas ce mot. Ouais, je pense que. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, mais je peux te dire que tu l'es, hein. Non. Ah ouais, j'aime bien, tu l'es. Ça veut dire quoi, jaloux? Jaloux, c'est. En fait, t'es territorial, c'est pas jaloux. T'es territorial. Parce que jaloux, ça voudrait dire que t'as pas confiance en toi. Et je pense que t'as confiance en toi. Exactement. Ça, tu vois, ça prouve que ce que tu réfléchis, putain. Ça, j'aime bien. J'ai confiance en moi. Non, je suis pas territorial. C'est vrai que je suis territorial. J'aime bien pisser sur ce qu'il y a à moi. Ouais, bah pisser sur moi si t'es veux, y'a pas de problème. Mais avoue que t'es territorial, hein. Oui. T'aimes pas qu'on touche à tes affaires et t'as pas envie de les prêter, hein. Bah, mais quand même, je te laisse quand même. On a des libertés quand même, hein. Ça se passe. Oui, on a des libertés parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore baissé, qu'on n'est pas marié. Mais bon, après. Quand on va baiser, tu vois, oui. Ça va faire, tu vois, ça va être différent, tu vois. Ah, on va s'en donner à cœur joie. Hein. Ouais, je vais t'attacher et tout ça. Ay, que bonito. Ay. Je suis déjà mal. Non mais. Ah non, je suis obligée. Pardon, j'avais des images. Pardon. C'est pas grave. Images. Faut que j'aille à l'hôpital. Ah ouais? Si. Ah merde. On y va. Non, mais laisse tomber, j'ai les deux mains. Flemme. Quand je suis allée. Tu vois, tu portes la poisse, je me tape jamais. Comment ça, hein. J'ai porté la poisse? C'est toi qui portes la poisse aussi? Non, bah non, moi j'ai jamais d'accident. Tu conduis trop vite, Tu as une chiquita dans la coche qui a un plâtre qui est mal, qui vient d'être canardé comme un vieux petit chien, et tu conduis comme une folle. Non. Attends, te faire canarder. Oui, bah après, moi je dis, ça va, je t'en sors bien quand même, donc sois contente. Si, je t'en sors bien. Oui. Un petit plâtre, un petit truc, ça va. En vrai, c'est pas grand chose. Oui, quand j'ai les foies perforées quand même, je risque la dialyse. Hein. Ah ouais? Oui. Ouais, quand même. Ah ouais. Mais ça va aller. Mes jours, ils sont peut-être plus en danger, mais ça veut pas dire que j'aurai pas des séquelles tout le reste de ma vie, tu vois. Et tu peux avoir quoi, c'est comme séquelles du coup? Mais par exemple, peut-être tu pourras jamais me prendre en l'aile. Alors là, écoute, Rina, t'as vu, je t'aime beaucoup. Hein. Mais si ce n'est plus possible, ça va être compliqué, hein, je te le dis. Eh ouais, mais après, si tu continues à faire les bêtises et que tu conduis comme ça. Alors là, je conduis comme ça. Là. Ah, feu rouge, on va s'arrêter. On va s'arrêter, hein, attention. Oui, attends, pas déconner. Hein. Oui, c'est bien, tu respectes les réglementations de la circulation. Ouais. Bien, la première fois que ça m'arrive. Je pense à la Lele, ok, c'est bon. C'est long par contre le feu. Oui, c'est très long, mais ça c'est comme tous les feux, hein. C'est juste qu'on a arrêté de les regarder. Hein. C'est peut-être ça. Oui. D'ailleurs, t'as eu combien d'accidents ce soir en moto?
2. Quand même, ça me rassure quand même. Non, mais en fait. C'est pas sa faute? Non. Mais c'est vrai, je te promets, c'est pas de ma faute, parce qu'en ce moment, j'en ai pas d'accident. En même temps, t'es étonné, mais c'est vrai. Non, les premiers, c'est parce qu'en fait, on s'est fait canarder par la DOA. Okay. Et du coup, avec la panique, j'ai pris un caillou. Et ensuite, les seconds. Ça peut s'expliquer. Oui, et après les seconds, on était sur la côte, je sais pas, il y a un civil, il a paniqué avec sa voiture et d'un coup, je l'ai retrouvé face à moi. Ah. Voilà, c'est pour te dire. Donc, vraiment, pour le coup, c'était pas de ma faute. Hein. Ouais, ouais. Je te promets, c'est vrai. Hein. Si tu veux, je peux te donner des cours de moto si tu veux. On partirait toi et moi, tu vois, en cuir. Ay, que bonito! Attends, ne bouge pas. Non, je bouge pas. Ça vaut quoi? Ça vaut quoi, le beau gosse? Tranquille. Merci. Ok. Aïe. Aïe. Ça, je vous connais. Attends, faut que j'y prenne. Merci. Buenas! Ah oui, quand même! Ah, bah si, oui, il hein. Y a les blessés, quand même. Si t'arrives. Enfin, je vois bien ta jambe, mais... Je me suis fait mitrailler comme un chien qu'on veut tuer par les flics. Aïe, 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 aïe. Et ah, ouais, erreur judiciaire. Ah ouais, erreur judiciaire. Ouais, et en plus, c'était pour payer 4 000 $, les bâtards. Ah bah oui, pour prendre du pognon, ils savent le faire, ça. Ah, mais ça, hein. Ils t'en coulent et puis tu dois dire merci. Hein. Oui, oui, oui. Et où ton mec? Ah oui, non, je devais l'appeler. Ça va, Nana, mais tu changes oui, de style comme tu changes de couleur. Toi, j'adore, hein. T'es bah oui, mucho caliente là. Merci. Si, hein. En fait, j'avais trouvé une trop belle robe, mais j'ai eu un problème avec, je suis dégoûtée. Oh non! Ouais, c'est bon, j'y suis. Vas-y. Attends, je crois qu'il faut que je te. Oui, j'y pense. Porte, ouais. Ok, ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Oh, c'est dommage, c'était laquelle des robes hein? Bah. C'est un peu compliqué, à vrai dire. Je vais te montrer si tu veux, mais tu vas voir, c'est. J'ai un problème pour moi, c'est bon, mais pour les autres, c'est pas bon. Ouais, c'est ah, celle-ci. Ah, oui, mais alors il faut que tu fasses un truc, je sais plus ce que c'est. Ouais, bah ouais, tant pis. Hein. Ouais, incroyable cette tenue. C'est vrai, par contre, t'as glow up, Dana, là, c'est quoi ce truc? Mais attends, mais tu portais pas des gilets, tu portais pas des sacs, tu portais rien pour toi? Non, rien du tout. Je sais pas pourquoi. C'est... Enfin, pour moi, non, mais pour les autres, oui, je sais, t-shirt. Mais j'avais les mêmes problèmes quand j'ai mon. Mais il y a un truc à faire, oui, il y a un truc à faire, je saurais plus te dire quoi, mais il y a un truc à faire. J'ai le même problème avec le pyjama. Il faut que tu enlèves. Comment ça, le pyjama? Tu as besoin de pyjama, toi? Bah écoute, en fait, j'ai prévu un pyjama au cas où, tu vois, parce qu'on m'a dit qu'il faut que tu sois un peu distingué. Mais pour le moment, j'ai même pas eu l'occasion de les mettre, forcément. Je suis toujours pas invitée à aller dormir chez messieurs, donc j'attends. Oh, ça, c'est un cul. Oh, ça. Waouh. Wow. Ça, c'est un cul. Du coup, Ethan, je te préviens, il y a moyen que le son soit fini ce soir, finalement. Quoi? Il sait pas, lui. Ah, il bosse bien, ces messieurs. Oh, mais c'est une machine de guerre. Je sais pas, c'est une question d'inspi, mais... J'ai entendu dire des bonnes choses pour de lui, hein. Tu peux y aller, hein. Ouais. Non, mais t'inquiète, normalement, si on est plusieurs à mettre la patte, etc., les mélodies, ça vient tout seul, normalement, donc ça devrait le faire. Moi, je t'avoue que je n'ai aucun... Enfin, tu t'inquiète. Vois, t'inquiète, ça va venir. Franchement, la vérité... Tu vas voir, tu vas avoir une bonne expérience. Mais tu vas vivre un bon truc, en vrai. Attends, tu vois, mais Ethan, cool. Il va chanter, Ethan? Non, c'est moi qui chante pour lui. Là, c'est gentil, hein. Si je chante, pas une salope, hein, je chante pas comme ça pour n'importe qui, tu vois, mais... J'ai un accord, enfin... Putain. J'ai acheté une prestation. Tu l'as payé combien? Parce que c'est pas tout le monde une qui fait bonne ça. Prestation. Une bonne prestation. Ouais, je pense. Hein, le cachet, il était gros. Hein. Normal, en même temps, c'est du boulot. Ah, je vais mettre mon téléphone sur off parce que j'en peux plus. On va attendre que Kama arrive. Ouais. Allez-y, je vais lui ouvrir. Faut attaquer déjà. Ouais, pourtant, c'est déjà ouvert. Hein. J'ai fermé quand même parce qu'on sait jamais. Il y a beaucoup de gens curieux ici. Ouais, ok. Et vu que c'est plutôt quelque chose de confidentiel, j'ai pas envie qu'on soit interrompu. Oui, ça faisait touloulou, 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 touloulou. Ouais. Là, c'est ton Tinder, ça. Non. Vous avez matché. Mais je suis pas sur Tinder. Et regarde mon Instagram, y a pas de photo, tu vois, pour te dire. Mais d'ailleurs, le but du Instagram, c'est de mettre des photos, tu peux, hein. Tu sais, tu peux. Hein. Oui, mais moi, si j'ai mis les photos sur Instagram, j'y mets que des photos de mon cou. Des photos de mes boobs et de mon cou. Oh, mais dans ce cas-là, on ouvre un OnlyFans et on se fait de la thune. Tu prends 80, vas-y, on fait ça. Je prends 20, tu vois. Vas-y, j'ai fait les photos que j'ai fait avec les policiers. Attends, tu fais les photos, mais tu te floutes. Et si les gens veulent. Non, je me floutais pas. Écoute. Si. On poste tes photos floutées, d'accord? Si. Les mecs, s'ils veulent voir plus, ils payent 5-10 000 $. Et là, ils ont une photo unique et t'es floutée.
Si je prends une photo de ma chatte et je la fais payer combien? Ça, 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 son problème, si c'est vrai. Pas personnel, ça, à la base. De quoi? La chatte, hein? C'est une question de point de vue. Ouais, enfin, après, non, je dirais pas personnel, exclusif des fois. Pour si, c'est cas. Exclusif, mais tu vois, si on voit pas ma tête, personne ne peut savoir de qui c'est. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est vrai, hein, je pourrais très bien prendre celle de ma grand-mère que personne ne saurait. Hein. Bah, si, quand même, il y aurait Si, quand même, descente d'organes, tout ça, tout ça. Ouais, mais enfin, Photoshop, j'espère, Photoshop, du coup, Photoshop, chérie. J'espère du coup qu'il y aurait une différence quand même. Quand même. T'imagines le truc, t'imagines, c'est charpé. J'ai la même truc, photo que celle de mi abuela. Aïe. Bah, en même temps, plus un poil, c'est propre. Hein. Bah, ça, ça veut rien dire, ça. Hein. Ouais, mais ça peut friper, du coup, non? J'en sais rien, tu penses pas que j'y suis allé foutre le nez dedans quand même? Bah après, tout dépend l'âge, à un moment donné, ouais, on est obligé de les aider. Hein. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, s'il faut les faire, j'ai fait, oui, puis ouais, mais bon. Ah oui, t'as, quand ils vieillissent, il faut les aider des fois. Hein. Clairement. Hein. Marteau burin. On tape. Oh oui, mon dieu, non. Ah, lui, il est. Eh, Dana, attends, ça va bientôt t'arriver à toi, tu crois quoi? Mais ça va, elle a 40 ans, elle bouge pas non plus. Elle... 42. Moi, à son âge, j'aimerais bien te rigoler comme elle est. Hein. Oh, que... t'as l'air d'être entretenue quand même. Hein. Ouais. Bah, j'ai fait attention, ça, je vais pas te mentir, j'ai fait gaffe. Mais quand même, tu vois, au bout d'un moment, il faut pas se laisser aller. C'est ça les problèmes. Ouais, ouais, mais c'est l'ADN aussi, ça aide beaucoup. Ça, par contre, du coup, ouais, pour la moi, session, la comment vous expliquez ça? Oui. En fait, comment dire, je vais allumer un écran, t'as capté? Attends, je l'appelle. Si. Et en gros, je vais allumer le logiciel, etc. Du coup, faut venir quelque part, quoi. Si. Jusque-là, tu suis? Moi, j'ai compris. Moi, j'ai l'habitude, je sais. Bah, après, je vais expliquer. Tu vas allumer un bel écran. Ouais, bah, Carrie, tu peux aller. Et on va tous aller chez les mêmes écrans. Une boîte de munitions pour André qui est en train de tester le stand de tir. Il est revenu d'une boîte de munitions de 9 mm, s'il te plaît. Pas dispo. Attends, je vais essayer du boulot. Vas-y. T'inquiète, vas-y. Ok, vas-y. T'inquiète. Oui, dis-vous, dis-moi, tu serais dispo vers la nuit ou pas? Faudrait qu'il y a André qui t'attend. Faudrait juste que tu lui donnes une boîte de 9 mm, tu ne fais pas payer. Parce qu'il est en train de faire notre stand de tir. C'est voilà. Pour qu'il essaye. Tu l'entends, tu fais pas payer. Tu fais pas payer à lui. Oui, c'est pour nous, donc du coup, on fait payer. Ok. Merci. On va aller sur son Discord. Du coup, c'est bon pour toi? Si. Tu vas voir, enfin, normalement, tu vas capter. Alors, je vous explique. On va aller sur le. Alors, attends. Attends, parce que je vais déconnecter là. Il faut que j'aille sur le truc. Attendez. Il faut que j'y aille du net, Discord. Bon, alors. Hop. C'est bon, c'est tous là? Hop. Il manque juste Kaba. Il manque juste Kaba et on est bon. Voilà. Bon, alors, déjà, il faut savoir un truc. C'est que je peux faire de la musique sur beaucoup de choses. Ok. Mais pas sur tout. Il y a des trucs vraiment, voilà, il faut, je suis à l'aise, mais pas sur absolument tous les styles, ok? Ok. Donc déjà, je voulais savoir un peu, toi, tes goûts musicaux en général, ce que t'aimes, si le rap, c'est un truc que t'écoutes ou si c'est pas un truc que tu consommes du tout.
Si j'en écoute bien sûr, j'en écoute, mais j'en consomme pas non plus comme un grand fou. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'en écoutais, si mais plus du rap à l'ancienne. Tu vois, moi c'était plus du rap à l'ancienne, tu vois, vu mon âge, je t'avoue. Ouais, c'est vachement Valenciennes, style IAM, un truc comme ça, tu vois, vraiment c'est du rap à l'ancienne. Le style de maintenant, je t'avoue que je suis pas. Il écoutait pas de la drill, c'est ce qu'il veut te dire. Ouais, voilà, okay. J'écoute pas les trucs. Donc là, si tu voudrais un son de campagne, est-ce que tu voudrais un truc à l'ancienne ou est-ce que tu voudrais quelque chose de, comment dire, de un peu club house rythmé? C'est une bonne question, ça. Tu me poses une belle, là. Qu'est-ce qui rendrait mieux, tu penses? Qu'est-ce qui taperait plus aux gens? Après, franchement, si tu le diffuses en campagne, etc., je pense qu'il te faudrait un peu un son qui fait un peu genre de la bonne humeur. Ouais, c'est qui est festif, quoi, tu vois. Un truc festif, ouais. Ouais, qui embarque les gens, quoi. Ok, je vois le délire. Vous entendez les bruits de Discord quand je les fais? Ok. Donc, ça veut dire que vous allez entendre. Putain, c'est grave sérieux en fait. Moi, je pensais que tu faisais ça comme ça, mais c'est hyper sérieux ce truc. T'es un ouf ou quoi, ma gueule? Ah, c'est son taf aussi. Je m'y connais pas. T'as vu, moi, Ça te stresse. Il se met dans sa chambre. Non, j'ai pas chanté, ça me va. Ça va, c'est bon. Vous entendez là? C'est bon? Vous me dites si c'est trop fort. Ok, on va pas partir sur ça, je te le dis direct. Rien que les beats, il est bien déjà quand même. Vous dites bien le début. Bon, j'ai. Buenas! Oh, bah, ça va quoi? Ça va ou quoi, Ethan? Ah, c'est vrai, Cam? Ah ouais, faut donner le truc à Sean aussi, du coup. De quoi? Ouais, vas-y, je m'en occupe. Kiffe, c'était bon ça. ouais mais pour rapper dessus c'est dur. Ouais, c'est... Oh. Attends, t'as une chaîne toi maintenant? Ouais, petit cadeau du patron de la bijouterie. Ah ouais. Fais gaffe, tu grinches des dents quand tu parles. C'est la chaîne qui est trop lourde. J'ai plus l'habitude. Pourquoi? Ça va? Oh, c'est incroyable le son là, je me suis. Ouais, c'est là où ça. Danser. Ça vient de chez vous ça, Rikem, ou pas, du tout? Non, pas du tout. Ok. Faudrait que Sean il puisse avoir le pirate si possible. Je l'aime, je sais pas ce que je suis censé faire. Pardon. Comment il a c'est bon, c'est bon. Et j'en fais quoi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, faut que tu viennes là où on est en fait. Ah ben je vois pas. Là tu nous vois normalement. Ah oui, ok. C'est bon. Tu as un truc comme ça, c'est pas mal. Mais... Les sons est bon, hein. De ça. Franchement, les sons, il est très bon. Tu peux poser facilement. J'aime bien parce que t'as vu, ça va pas trop vite, mais ça va assez vite pour bouger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Passe entre les deux, okay. J'aime bien de dire. Ouais. Dana, tu veux qu'on se pousse un peu pour que tu puisses t'asseoir avec nous? Non, ça va, vous inquiétez pas. Ok. Je vais mettre là sur le bord. Oh, qu'est-ce que j'aime ta voix.
c'est réciproque. Ouais, je t'ai jure. J'ai voulu, ok, j'ai compris. J'ai vas-y, va t'asseoir là-bas. Non, 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 t'inquiète pas. Va t'asseoir là-bas. Ça va, Dava de l'OTF ? On est très ouvert là-bas. Oui, toi, Sean. C'est bon ? Artiste of the year. Je me lave. Oui, ça va mieux ? Mais mi amor, je suis à côté. Ça, mais arrête, c'est dans la là, plante. Je suis dans la plante, c'est bon là. Arrête tes conneries. Top 3 beaux gosses de Los Santos. Ah oui, mais oui, j'ai vu ça. J'ai pas, tout le monde m'a dit ça. Moi j'ai pas vu, j'étais pas là. Oui. Il y avait une annonce du Gozel, ouais, ouais. Bah écoute. Oh, t'es trop beau. Attends, t'es déjà hein. En plus, moi j'ai vu ta teub. Arrête. Non, viens à ma droite, et là. Excuse-moi, c'est bon. Mystérieuse dans la plante. D'accord, super. Coquin, va. Oui. Ouais. Je pousse un peu là, attends. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Ah, du coup, ouais, sacré cadeau, hein. C'est ça. Ah, ouais, oh, ouais. Ils ont pas rigolé. Hein. T'es allé faire des emplettes ? Non, même pas. C'est juste qu'ils voulaient un contrat avec le LS Custom. Oh, ok. Comment ça, ça... Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent ? Hein ? Quand est-ce que tu m'as envoyé de l'argent ? Non, c'est un bug. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Comment ça, c'est un bug ? Ah, ça, c'est un bug. Mais t'as fait ça quand, toi ? Concentre-toi, concentre-toi. Ok, ok. Concentre-toi. T'exagères. Concentre-toi, Rina. Si, si. T'exagères, t'exagères. Coucou, Fossoyeur, comment tu vas ? Ça va, c'est que 5000 dollars, c'est rien. Ça dépend de qui. Oui, mais bon, voilà. C'est rien. Ah, Nathan, tu vas rapper ou chanter ? Aucun des deux, mon frère, je vais juste écouter. Mais. J'ai un problème avec le téléchargement de l'instru, je comprends pas. Comment ça ? Comment ça ? Dès que je la télécharge, genre ça me fait un fichier de 4 octets, de 4 octets, il n'y a rien dedans. Envoie-moi les liens sur le téléphone. Je vais essayer de la télécharger. Ah, du coup, Sean, non, je chante pas, c'est juste c'est Rickem qui va me faire un son pour ma campagne, tu sais. Pour ma campagne de mer. Tu fais une campagne de mer ? Ouais, ouais. Ok. Cool. Putain, j'ai loupé plein de choses en 4 jours. Ouais, mais tu veux dire quoi dedans ? C'est ça que je me demande. Ben, ça après, c'est pas mon problème. En gros, moi, j'ai envoyé à Rickem le programme, tu vois, avec le petit slogan et tout. Et après, ça lui sert de la magie. Et moi, t'as vu, je. C'est moi, je suis. C'est une putain d'idée, ça. Hein. Bah en fait, c'est Rickem qui m'a proposé, je trouve, original de fou, tu vois. J'adore. Genre pendant les meetings ou quoi, je la mets, tu vois, et puis les gens peuvent écouter, ouais. Et puis... Bah c'est cool. C'est quoi ce délire ? Pourquoi on n'y arrive pas ? J'essaye, hein, je t'ai fait ça, je te l'ai dit. Ok, je l'ai. Je t'ai envoyé, Sean, à quoi ça va ressembler, regarde. Moi, je regarde ça. C'est bon, je te l'ai transféré sur le téléphone. Du coup, je t'ai envoyé aussi, Reina, l'affiche. Ah, merci, merci. Je t'en prie. Ouais, je vais bien, s'il te plaît. Prends une chaise, assieds-toi par terre, vas-y. Mais elle est trop bien, l'affiche. Je vous la mets sur le Discord, l'affiche. Du garage. Je trouve que c'est bien parce que c'est simple, mais voilà, c'est efficace, je trouve. Je te jure, si... Je te jure. Elle est vraiment jolie, hein. Vraiment jolie. Si un jour il est manager, elle est trop bien. Tu vas débarquer en slip, c'est avec bon, une perruque blonde. Ouais, c'est bon, merci. Rien que pour ça. Ah, mais tu sais que ce serait risqué pour toi parce qu'il a le Prestonator toujours sur lui. Hein. Ce serait dommage de faire cette bêtise. Putain, je me sens gravitationnel. Ok, du coup, bah, c'est bon là, sous ça marche. Je fais juste un dernier réglage.
Ça me casse les couilles d'être juste en QWERTY. Deux fois le même truc dans ton programme, Ethan. Ouais, je sais. C'est juste à modifier, mais ça, c'est le premier G, tu vois. C'est bien, c'est propre, c'est joli. C'est... T'as vu ? J'aime bien. Je trouve ça efficace en vrai. Dana, tu peux prendre d'un place, du coup, tu peux prendre les commandes vite fait, s'il te plaît. Ok. Pourquoi je suis en. Ouais, je fais encore quelques derniers petits réglages. Ça va être chouette. Mais tu sais ce que les messages que tu veux passer dedans ou pas du tout? Hein? Ethan? On n'entend plus ? Réduction du salaire du maire, il l'a mis deux fois. Ah ouais, il l'a mis deux fois ? Attends, j'ai pas bien lu. Okay, vous m'entendez là ? Il est ton programme, Ethan ? Si. J'aime beaucoup. Okay, là, vous m'entendez ? Impeccable. Oui, on t'entend. Impeccable. Ok. Attends, faut juste que je réouvre la fiche de Ethan. Je lui ai dit. Parfait. Ouais. Si, on t'entend parfait. Bien. On compte bien des bas. Non, mais ça a retravaillé, tu te doutes bien. Est-ce que t'aimes bien déjà la mélodie ou pas? Ouais, moi je kiffe. Hein. Ah, ça peut passer. Moi perso, je danse avec mes petits gâteaux là, j'aime bien. Là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouais. Partagez au moins. Du coup, tu veux dire quoi dans le texte à peu près? T'as une idée? Je t'avoue que j'ai un peu donné quelques idées du programme, tu vois. Et après, celui qui va gérer, je t'avoue que. Ok. Rikem ? Ouais. T'as une meuf ? Non. Ok. T'inquiète, c'est pour un pote. Ah. Quoi ça ? Rikem, t'as un pacte en cours ? De quoi ? T'as un pacte en cours ? C'est là. Si, est-ce que t'avais pris tout à l'heure là pour la prod? Qu'est-ce que l'eau, tout ça là? Oui. T'avais redéposé ou pas? Bah moi j'avais rien, il me reste sur moi, j'ai... T'avais pas l'eau sur toi? T'avais pas, c'est toi, pas non, toi qui devais mettre l'eau? Non, c'est pas moi qui l'ai mis, moi il me reste 3 de Ferti. T'es où? T'es au club? T'aurais non, je suis dans les sous des. Ah, ok, bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. T'es sûr? C'est bon? Non, faudrait que tu la ramènes quand même parce qu'en fait c'est le compte juste. Ok, je vais enregistrer ça. Le problème c'est que je peux pas conduire, tu sais, je suis en plâtre moi.
Comment t'es monté dans le sud? Qui t'a emmené? Ethan. Bah, Ethan, il va te redescendre dans le. Bah, là, ça va être pour prendre du monde. Oui, là, tu peux pas venir les chercher plutôt? Dès que vous faites ça, mais. Théo? Attends, je t'envoie ma position, j'arrive des secondes. Aïe, faut juste sortir du bâtiment. Ok. Attends, parce que je sais pas où est la sortie. Je suis perdue. Putain, j'ai où la sortie ici? Attends, je cherche la sortie. Hein. Je suis pas un mec de Tess. C'est vrai ça. Je suis perdue. Je sais pas droit. Je vais trouver, attends. Non, arrête, frère, c'est une blague. Elle est où la sortie? Je te promets, Tito, je fais au mieux. Mais t'es où toi en fait là? Je suis dans un studio de musique et dans le sud et pas loin de la station essence, il me semble, si je te dis pas des conneries. Alors, la station essence, il y en a plein, mais. Oui, c'est à la côté du bar, tu vois. Je pense que je suis pas loin, mais attends, parce que je cherche la sortie. Je sais pas où c'est, bordel. Je sais pas. Comment ma porte... Ah, je pense que c'est peut-être là. Oui, c'est là, c'est bon, j'ai trouvé la sortie. Ok, il me faut une rime en S. Je t'envoie la pause, ça y est, c'est bon, je suis dehors. Tito. Je raccroche, je t'envoie la pause. Vas-y. Je suis abîmé, tiens mes promesses, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, il me faut une rime en S, quoi. J'y arrive, hein. Je suis dehors juste un peu de 5 minutes. Hein. Okay. Fais gaffe à toi. Oui, t'inquiète. Je garde jusqu'à demain, 22h30. C'est pas mal comme ça, là. Ouais, il y aura sûrement un bruit, oui, tu vas m'aider. Tu crois que tu vas y échapper ou quoi? Désolé, hein. Viens là. Tiens. T'as resté que ça, ouais? Ouais, ouais, que ça. J'ai pas d'eau, j'ai rien du tout. Allez, désolé, à plus tard. Ouais, mais après ça, c'est un style, hein, cucu, je te l'accorde. Hein. Rendre, c'est moi, je peux, ouais. Ah, pardon, tout merci, t'es gentil. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ta jambe, Rina? Bah, en fait, je me suis fait rafale et ils m'ont fracturé la jambe, ils m'ont percé les foies. Enfin, c'est... Ah oui, ça rigole pas trop, quoi. Ouais, voilà, automatique, tu connais. Hein. Ouais, bah oui. Bah, voilà. Comment il va, Louis? Oui, longtemps que je l'ai pas vu. Bah, écoute, il est dans la même forme que moi, à mon avis. Ah hein, oui, d'accord. Super, d'accord. Ça passe bien chez vous. Ouais, c'est la fête, hein. Désolé. Oh, merci bébé. Ok, j'ai peut-être un truc pour clôturer la mesure et changer de mélodie après. Attends, j'ai mangé la plante. En plus, tu t'excuses, 3 fertis. Bah, écoute, a priori, c'est important, 3 fertis. Je suis un bill, je me promets.
est trop pipou. En fait, il me faut une autre rime en S encore. Les temps sont difficiles. Pas comme certains, je me rebaisse. Il faut que tout ça cesse. Je sais pas, moi j'ai le mot princesse. Il faut que tout cesse. Ah, il faut que tout cesse. Princesse, je sais pas. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est... Attends. Dans ce cas-là, si tu veux que ça rime dans l'air, et au lieu de il faut que, il faudrait que tu dises il faudrait que tout cesse. Comme ça, tu as les mêmes nombres de syllabes. Ah ouais. Bien vu. De rien. Tu parles normal comme ça, c'est trop. C'est bien. Quoi? C'est pas drôle ce que je viens de dire là. Ça passe, hein? Trop classe. Ça passe, ça passe. Faudrait que tout ça cesse. Moi, j'aime que les grosses fesses. Non, non, c'est pas ça. Non, pas. Ça m'a saoulé, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Attends, Romain. Attends, je vais la refaire. Bon, il a ouvert la bouche au moment où j'ai pris la photo. Ouais, ça passe. Sans pas de santé, pas de bénéfice pour le peuple, je donne ma vie. Il me saoule. Je lui dis t'es bouche bée, il me dit la personne ferme la bouche. Mais pourquoi j'ai l'air plus grande que lui? Qu'est-ce que je peux écrire là? Dites-moi si vous avez des idées. Attends. Sur votre santé, pas de bénéfice pour le peuple, je donne ma vie. Santé, pas de bénéfice pour le peuple, je donne ma vie. Avec moi, finis le vice. Ah oui, ça ferait rappel et avec le programme. Et après, pour le truc vie. Tu peux parler de... Alors, je sais pas comment, mais tu peux placer le mot les plus démunis, genre. Tu vois, par rapport peut-être aux navettes gratuites, là, pour les zones mal desservies, machin. Oh, ouais, ok. Genre, le mot les plus démunis, je peux... Putain, on a l'air tellement de deux abrutis, là. Deux truites. Ah, j'y arrive pas. Ok, là. J'essaye. Hein. Non, j'y arrive pas, ça me saoulait. Allez, c'est pas mal, hein. Là c'est très très bien, très très bien, j'aime beaucoup. Elle me fout un poil et danser. Alors on va éviter. Ah bah fait solfège du piano de chance, expliquer mon côté titillant, même si j'étais nulle et que ma voix est hachée, j'aime écouter quand les gens savent les utiliser sans taille. Ouais, je comprends, mais là, parce que pour le coup, tu vois, il a quand même l'oreille très musicale parce qu'il arrive quand même à sortir des notes, tu vois, qui changent un peu de ce qu'il fait. Après, bon, le... Comment on appelle ça, le... C'est en relation avec... Le reverb qu'il met, c'est en relation avec le style de la musique, tu ouais. vois. Je suis en train d'afficher des trucs. Mais moi aussi, j'essaye, mais...
L'autotune, ouais, merci. Ouais, ouais, non, mais je sais que tu dis pas le contraire, mais c'est intéressant, c'est un débat après, hein, on en parle. Mais il a une très bonne improvisation, ce mec. Pour avoir bossé avec lui beaucoup. Il a une bonne oreille, ouais. Ouais, il m'a fait des bonnes musiques, hein, on a travaillé ensemble, on a fait des bons sons, hein. Et après, il y a le refrain. J'ai trop envie de lâcher des waouh waouh et l'autotune là. Vas-y, let's go, hein. Je sais pas faire. Je peux utiliser ça, moi. T'imagines Manito en autotune derrière qui fait des bacs. Hein, Robin ? Hein ? Ouais ! Ça pourrait être, n'empêche, ça pourrait être bien. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen, il y a quelque chose. Dans les bacs et tout ça, ça peut être sympa. Bah après, faut que ce soit un truc sérieux quand même. Donc, oui. Oh, l'autre Manito en bac. Je viens vendre mon ferraillon. Je te jure. Tu mets Manito et Jenny dans les bacs, là, ça y est, le son, frère. Oh non. Elle déjà laisse la manger un dictionnaire, après on verra. Mais en vrai, son son il rase dans la tête malgré tout. Hein. C'est laquelle, les derniers paillettes et je sais pas quoi là, non ? Ouais, c'est ça. Oh c'est putain, ça. Il est énorme. Je ferais pas un truc. Je veux juste soit qu'on soit. Regarde. Je veux juste soit qu'on soit proche. Je veux juste. Très à la joue là. Il y a quelque chose. En fait, dans le refrain, il faudrait quand même qu'il y ait son nom et prénom qui apparaissent tout le temps, tu vois, pour que les gens sachent pour qui voter, tu vois. Ou le slogan, genre. Ou le slogan. Ou le slogan, mais il faut qu'il y ait son nom aussi qui apparaisse dedans, quoi qu'il arrive. Quoi, le slogan ? Ok. Votre voix, notre avenir. Attends, moi c'est. Attends. Avec mon son, le son qu'il va avoir, mon ego il est refait, je vous le dis. Il va faire nord-sud, nord-sud avec ce son. Ce soir, il va avoir les couilles qui vont traîner derrière toi. Il va y avoir un tapis des couilles dehors. Tu vas t'amuser avec comme des pelotes de laine. Je vais faire le trampoline. Aïe. Ignacio qui m'a piqué. Bah, je peux pas. Ouais. Alors, du coup, là, j'ai quoi ? Pour le refrain, j'ai. Faut qu'en fait, faut que ça rime en Anne à la fin. Faut que ça. Vote pour Ethan, c'est votre voix et votre avenir. En Anne, tu m'as dit ? Ouais. C'est dur en Anne, non ? Faut que ça vote pour Ethan, c'est votre voix, votre avenir. Faut que ça vote pour Ethan, c'est votre voix, votre avenir. Et si au lieu de faire une rime qui vote avec Ethan, tu mettrais il faut que ça vote pour Ethan, c'est votre voix et votre avenir, pas besoin de le redire. Tu vois, tu closes sur une rime de trois phrases. Qu'est-ce que t'en penses ? Je veux dire, je suis vegan. Surtout pour un mec du Nord. Hein. Parce que quand tu dis, il faut que ça vote pour éteindre, c'est votre voix et votre avenir, pas besoin de les redire. Tu peux me déposer en vitesse ou pas ?
en train de bouffer. Ah, bon appétit. Pas trop faim. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est quoi qui t'a donné faim, c'est bizarre. Bouffe pas tes cordes vocales quand même en même temps, c'est dommage. Tu veux me déposer. Plus de chance de bouffer la top que de bouffer mes cordes vocales. Pardon. J'en ai marre. J'ai pas trop d'idées. Ah non, c'est un peu compliqué. Hein. Ah, Anne, c'est dur. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, au lieu de chercher sur du Anne, tu devrais plutôt jouer sur le IR. Du coup, ça ferait... Il faut que ça vote pour Ethan. C'est votre voix, c'est votre avenir. Pas besoin de les redire. Et tu closes là-dessus. Et tu finis par un quelque chose comme ça. C'est que rien que moi je fais ça, je suis ridicule. Mais non, tu sais qu'elle est ridicule, tu pas. Hein. Mais non. Je t'assure que si je chante, tu meurs de suite. Ça, je te et le dis. Et crois-moi qu'avec l'autotune, des fois, tu peux être surpris des prouesses. Hein, oh, ok, ouais. Ouais. Et des gens très connus, hein. Ouais, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Le pauvre Scotty. Moi, je sais pour les mairies, hein, sinon j'aurais dit le président, tu vois, mais en étant... Non, non, c'est pas ouf, non. Voilà, c'est bien ça, c'est super. Nickel. Ouais, attends, faut que je trouve une suite à ça du coup. Comme ça, non? Ça pourrait, ouais. On connaît les dates du vote ou pas? Non. Encore? Non. Pas du tout. C'est du coup, j'aurais dit. J'aurais joué sur le fait que les gens ils sortent de chez eux, tu vois. De chez toi, comment ils appellent les quartiers les jeunes aujourd'hui? C'est pas le quartier, ils disent le turf, je crois. Sors de ton turf, non? C'est un turf, ils appellent ça un turf, je crois. D'habitude, j'écris des poèmes, c'est pas un problème, mais mon cerveau qui est en compote. Ouais, non, mais c'est pas évident parce que c'est pas un truc qui nous appartient mentalement aussi, tu vois. Chachon, merci. Ouais, finisse la corruption, je suis d'accord. Ouais, d'accord, ça. Arrête. La théorie, la circulation. Vous avez osé lui mettre des bains, espèce de trou de ban. En vrai, je suis drôle quand même. Vraiment, je suis drôle. Oh oui, t'es drôle. Bien sûr que je suis drôle. Des fois, trop drôle. Mais tout le temps. Pas mal. Tu l'es aussi, hein, quand même. Ah, tu vas bien. Fini la corruption, rapproche-moi toi, tu fais attention. Ça
coche. Fini la potion. Tu dis quoi? C'est quoi la phrase? Fini la corruption, à vous je me dois de faire attention. Pour vous, je dois. Ouais, pour vous, je me dois de faire attention. Ça sera plus simple à chanter. Ok. Ça, c'est bien ça. Je repartirai sur l'instru un point. L'instru est bien, hein. Franchement, j'aime bien l'instru. L'instru est nickel. Pas mal ça. Ah ouais, tu nous envoies les poèmes sur Didier avec plaisir, ma chérie. Son intention. Nettoyer les rues, c'est mon intention. Tous ensemble pour l'innovation. Putain, mais il a c'est des idées. Ah ouais, mais t'as des idées, ouais. Tu me laisses le cul par terre, toi. Il te lèche le cul par terre? Non, il me laisse, ah, laisser. Okay. Y'a que toi qui mets les lèches. Hein. J'espère. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Oh, incroyable ça. C'est calé. C'est calé de fou ça. Pensez avec ça, ça marchait pas. Franchement, je sais plus quoi faire, je te le dis. Voilà. Je deviens RK. Je te nique aussi, non, peut-être? T'entends. Jamais. Sans ça, hein? Elle est cool la musique, hein? Ouais. C'est bien ça, putain. C'est cool, hein? Je vous fais écouter depuis le début, voir ce que ça donne. Allez, vas-y, on va. Vas-y. Je donne ma vie avec moi.
sens bien. Hein. Il est bon, hein, très bon. Incroyable, incroyable. Je vous dis, ce mec, j'ai bossé avec lui, il est très très bon. Il fait des sons rapidement en fait, il a vite le truc. Merci pour le follow... Skill. Merci pour ton follow, chouchou. Bah putain, incroyable. C'est lourd, vraiment, hein, franchement. Ah, c'est très très lourd. Chapeau. Vraiment chapeau. Very nice, hein. En plus, ça rentre dans la tête, tu trouves. Tu vois. Faut que ça vote. Là, on va faire la structure du son, là. J'ai pas tout compris, mais d'accord. Pour moi, c'était le son fini, là. C'est le mec. Structuré. Bah attends, t'as les bacs, t'as les trucs, t'as plein de choses. Ambiance. Là, on va passer à la phase de structure, là. Et ça veut dire quoi, en vrai? En gros, ben là, voilà, je vais te montrer la petite catastrophe. Je vais te montrer. Là, en fait, en gros, j'ai posé des voix avec un preset, ok? Qui fait qu'en fait, l'autotune, il était implanté dans le micro, tu vois? Et là, maintenant, il y a ces pistes-là, tu vois, où voilà. T'as vu la street cred? Eh ben, ça y est, le son est fini. Bravo à tous. Bien joué. Voilà, ok. Ok. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste faire une petite base pour avoir un petit prémix, parce qu'en fait, c'est toujours mieux d'avoir ce petit prémix pour pouvoir poser les voix d'en dessous, etc., tu vois. Ok. Parce qu'en fait, si je l'ai pas, les voix vont se superposer, ça va être trop dégueulasse et on aura jamais un préaperçu de ce que ça peut donner, tu vois. Ok. Donc là, en gros, le but, c'est vraiment de faire un petit prémix en rapide, comme je vais te montrer en vif. Ça me donne trop envie de travailler sur le son que j'ai fait. Faut que je m'y remette, putain, flemme. Parce que tu vois, sur les notes que je rallonge, j'ai des idées. En fait, ce que j'aime bien avec la Deep House, c'est qu'on peut digitaliser les voix. Il y a tout qui passe. Et ce qui fait que ça rend, ça rend beaucoup mieux sur des sons club comme ça, tu vois. Oui, tu vas voir. Okay. Un truc en vif. Okay, c'est bon. Je m'appelle Ethan Flores, je suis dans la ville, histoire que je la redresse. Je suis habile, je tiens mes promesses. Ouais, tu vois là, j'ai oublié de mettre autotune ici. Je m'appelle Ethan Flores, je suis dans la ville, histoire que je la redresse. Je suis habile, je tiens mes promesses. Ouais. Je sais que c'est pas facile, mais impossible que je vous laisse. Les temps sont difficiles, il faudrait que tout ça cesse. Sans pas de santé, pas de bénéfice. Pour le peuple, je donne ma vie. Avec moi, fini le vice. Le flop. Le vice, on vient, on est doté d'ennemis. Problème, y'en a mille. Mais... Donc là, tu vois, je trouve que la reverb, elle sonne pas assez. Et du coup, ce qui fait que je trouve que la voix, elle est pas assez profonde. Ah putain, j'imagine. Je sais que c'est pas facile, mais impossible que je vous laisse. C'est trop difficile, il faudrait que tout ça cesse. Sans pas de santé, pas de bénéfice pour le peuple. C'est nourrice tout à l'heure, entendre. Avec moi, fini le vice. C'est bon, de toute façon. Je m'appelle Ethan Flores, je suis dans la ville, histoire que je la redresse. Je suis habile, je tiens mes promesses. Je sais que c'est pas facile, mais impossible que je vous laisse. Les temps sont difficiles, il faudrait que tout ça cesse. Sans pas de santé, pas de bénéfice. Ok. Ah ouais, non, je sais pas. Tu vois comment ça ressort différemment là, du coup? C'est un peu ouais, plus clean. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux. Ok, bon, on va juste refaire un truc pour le refrain. Faut que ça va, toi, pour Ethan. C'est votre votre avenir. Pas besoin de redire. Faut que ça va, toi, pour Ethan. Faut que ça va, pour Ethan. Faut que ça va. 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 Faut
qu'il a repris le label Rikem. Je suis très contente. Je vais le mettre là. Merde. Ouais, faut que ça vote, faut que ça vote, faut que ça vote. Je vais partir discrètement, moi, t'inquiétez pas, ok? Tu veux rentrer comment? Et je vais appeler un de mes frères qui va venir me chercher. Je vais te faire écouter du coup ce que ça donne. T'es sûr? Oui, t'inquiétez pas. Ok? Ok. Pierre, tu m'appelles demain et puis je serai là avant toi donc. Mais oui, t'inquiète. Je dois vous laisser, mes amis. Merci pour tout. En tout cas, c'est super. On continue comme ça. À plus tard. Ciao. Besos. Franchement, GG. Ok. Vous m'entendez? Ah oui, merde, faut que je quitte le Discord, sinon. Ok. Sinon, ça va être un peu la merde. Bon, mes amours, on va rester là pour ce soir.